Salut, bienvenue. Alors, désolé, live un petit peu roots, je viens de rentrer chez moi et je suis sur mon Linux que j'ai formaté hier. Dites-moi si vous m'entendez correctement déjà, parce que apparemment j'ai toujours des problèmes de son. Mais je crois que j'ai fait un petit test avant, ça avait l'air de fonctionner. Ouais, pour ceux qui étaient là hier, en fait, j'ai dit que j'allais formater mon Linux parce que j'avais plein de problèmes. Et c'est fait, c'est bon, je suis passé sur du coup Endeavor OS après moult péripéties. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Endeavor OS. Ok, donc là normalement je suis sur le bon profil. Ouais, voilà, donc c'est ce système d'exploitation, c'est basé sur Arch Linux et globalement ça permet d'avoir une interface visuelle et de préinstaller certains petits trucs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, donc j'ai fait ça hier soir parce que je me suis dit, eh tiens, après deux parties d'Apex, je vais être bien frais pour faire ça. J'ai d'abord installé en me gourant d'installeur, donc j'ai installé sans les drivers Nvidia. Et ça marchait étrangement, ça marchait plutôt bien, ça gérait les trois écrans, tout ça, tout ça. Mais j'avais un petit ring et je me suis dit, ben merde, il faut que je refasse l'install, quoi. Donc j'ai refait l'install en sélectionnant cette fois-ci les drivers Nvidia. Et premier démarrage, écran noir. Donc je me dis, putain, on est bien parti. Et quand je faisais un restart du Display Manager, ça marchait bien. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est cool, j'ai le même problème qu'avant, mais en pire. J'ai parcouru moult Stack Overflow et forums et trucs pour finalement trouver une solution. Je vais vous la donner parce que comme ça, si jamais quelqu'un a la même merde que moi, bah, il pourrait se dire, ah ouais, moi, c'est ça que j'ai fait. Et c'est cool. En fait, apparemment, de ce que je comprends, mais après, j'y comprends rien à comment démarre Linux, il faudrait vraiment que je m'intéresse. Si quelqu'un a une vidéo sur ça d'ailleurs, si quelqu'un a une vidéo qui explique comment ça démarre, en fait, j'ai du mal à comprendre les différentes briques qui composent un desktop Linux, en fait. Et en fait, il y avait ça. J'ai fait tout ce qu'il demandait, concrètement, donc je ne sais pas, c'est peut-être autant ça tout seul, ça répare. Mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est le module Nvidia se lance après le Display Manager. Donc en fait, vous avez le Display Manager qui arrive, il dit ouais, bah, il n'y a pas de carte graphique et il plante. Et c'est pour ça que quand je faisais un restart, ça marchait. C'est ma théorie. Hein. Donc là, en faisant ça a fonctionné correctement. Et après, le problème de son, bah, je l'ai toujours. Donc c'est génial, ça n'a absolument rien résolu. Je l'ai eu la semaine dernière, ce problème. Mais moi, ça fait un mois et demi que je l'ai. Donc je pense que c'est dû à une mise à jour, effectivement, je suis d'accord. Mais cette solution-là, en tout cas, si tu as dû faire la même chose, moi, ça marchait, quoi. Comment j'ai fait pour trouver la solution? J'ai cherché Nvidia Dark ou Black Screen Freeze Boot, un truc comme ça. Et à force, à force, à force, à un moment, je suis tombé sur Early Load ou ça, là, et puis je me suis dit, bon, perdu pour perdu, on va essayer ça, quoi. Mais concrètement, allez, après, pour ceux. En plus, ce qui était rigolo, c'est que c'était marqué là, quoi. Je ne sais pas où c'est dans la doc. Je l'ai trouvé, en plus, pas dans la doc de Arch Linux pour le coup. Voilà. Donc, j'ai tout réinstallé à peu près correctement. Donc, normalement, je devrais avoir mon terminal. J'ai mon écran de fond du jour de Bing qui refonctionne. Donc, là, ils nous ont mis un coq. Ou je ne sais pas c'est quoi comme bestiole. Et normalement. Ouais, ok. Par contre, j'ai perdu la capacité que j'avais de zoomer sur URXVT. Donc, je ne pourrais pas zoomer le terminal. Je suis désolé. Je vais couper temporairement mon écran, je veux juste voir ce que j'ai foutu dans mon historique. Et ben, on va attaquer ensemble Adonis et on va découvrir Adonis 5 et voir si l'expérience est meilleure que celle que l'on a sur Nest et voir un petit peu pour comparer les deux choses. Alors juste, je vais tester un tout petit truc, un micro-truc. Je vais re-augmenter ma caméra. Tout à l'heure, j'ai exporté sur Windows. Ma correction colorimétrique et j'aimerais bien la tester sur ma webcam. Alors attention, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors on va dans filtre. Là on va l'appeler Lévi du coup. Okay. Lévi. Et on va appliquer à notre lutte. Alors, on ne parle pas de l'instrument de musique, on va l'appeler graphique art. Et on va aller chercher data. Après, ce qui est pas mal, c'est que de plus en plus, les logiciels synchronisent les préférences en ligne. Donc, je trouve que j'ai de moins en moins de récupération à faire quand je reformate. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Je pense notamment à. Alors, il est là, normalement. C'est le 65. Ah, il a pas l'air de beaucoup marcher, celui-là.
Si je le fous à fond, ouais, ça change légèrement les couleurs. Ok. On va garder celui-là, il est très bien. Et celui-là, on va le dégager parce qu'il marche pas du tout, en fait. Ouais. Ok, fermé, fermé. Alors, d'après Romain, ça c'est chiant de ne pas pouvoir zoomer, c'est dommage. Il m'a dit d'utiliser Adonis dans sa version 5. Donc, on va aller sur Adonis.js et on va installer la version numéro 5. J'ai utilisé aussi. Pourquoi il fait chier avec ça là? Ne plus me demander. Voilà, donc on va faire learn more. On va cliquer là. Tu as un décalage son et image. Ouais, je crois que c'est. Non, là ça devrait aller hein, normalement. Au pire, apparemment, les gens disaient que ça avait... c'est à cause de ma barbe qu'il y a un décalage. C'est hier, on m'a dit ça. C'est bizarre. Et si je tape dans les mains, il y a un décalage ou pas? Il y a un décalage. Ok. C'est léger. C'est gênant. Attendez, je vais tenter un truc. En fait, j'ai peur de couper la webcam et de la relancer parce que je vais devoir tout sauvegarder en fait. Ok, là on a perdu la webcam. Ouais, après je peux comprendre, c'est déstabilisant, c'est comme un film qui est sous-titré mais mal. Périphérique de capture vidéo. On va l'appeler webcam. Ah, me dis pas que je vais devoir passer sous le PC encore. Attendez. Je vais aller chercher le câble. Tous les problèmes, il suffit de brancher, rebrancher pour que ça remarche. Ce serait bien qu'ils mettent des. Tu vois, si jamais si jamais vous êtes ingénieur, des boutons physiques pour couper et rallumer des trucs, ça serait vraiment pas mal en vrai. Ah merde, en plus je crois que je l'avais laissé allumer. Non, c'est bon, ok, ça remarche. On est en caméra, format vidéo, gna, on s'en fout. Résolution, on va prendre une résolution qui est pas ouf. Ouais, c'est très bien. Ok. Je suis en haut là et je vais coller les filtres. Bingo, il n'y a rien qui a marché. Je suis dégoûté. Là, c'est bon? Ouais, on a le même problème que la dernière fois. Alors attendez, je remets tous mes filtres. Parfait. J'ai perdu mes filtres. Ils sont où? Filtre, filtre, filtre. Masque d'écrotage. On va y arriver, après je vais pouvoir attaquer la. Merde, c'est où? Masque d'image de mélange. Je crois que c'est ça. Ouais, après il y a sûrement un décalage avec Twitch, mais ça ne pourra pas y faire grand chose. Je vous avouerai que. Juste avoir les couleurs qui reviennent bien et on sera bon. Donc Adonis, effectivement, ça n'a pas l'air d'être le même principe que. Que Nest, on était plus sur une philosophie qui se rapproche, à mon sens, de celle de Symfony, où on est plus sur de la configuration avec des typages et des annotations. Et Adonis, ça a plus l'air d'être sur un truc qui ressemble plus à du Laravel, effectivement. C'est l'expérience que j'en avais vue. Et on avait déjà testé rapidement en live, mais c'était au moment où c'était vraiment en preview. Alors ça a l'air d'être toujours en preview pour le coup. Et du coup, ça marchait pas forcément. Enfin, c'était pas forcément bien documenté. J'avais vraiment galéré. Donc, on va voir si les choses se sont améliorées. Dès que j'ai trouvé ce putain de truc, voilà. C'était ça, et on l'avait un peu plus bas parce que là, sinon, on voit plus trop. Ok. Hop, hop, hop. Et on la met là. J'aurais dû mettre un format carré, c'est plus pratique à gérer. Alors, pour démarrer, il nous faut Node.js en version supérieure ou égale à 14. Alors, quelle version on a d'installer sur ce système-là? On a la 14.16. On est bon. Il faut la version 6. Truc. Ok. Est-ce que j'ai NPM, en fait?
OK, 6.14. On est bon sur les prérequis. You can create a new Adonis project using npm init. OK, alors ça déjà j'aime bien le fait de pouvoir faire un npm init et nous on va utiliser yarn. Et on va créer, alors comment on l'appelle le projet? Comme d'habitude, on va l'appeler prep Adonis. On va mettre, est-ce que vous voulez tester si c'est un truc bien ou pas? On va mettre une majuscule. J'aime bien ça parce qu'en Node.js, en général, tu mets une majuscule, il pète son câble. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut créer? Est-ce qu'on veut créer un serveur web ou une web application? Donc non, on va dire un serveur d'API. Le nom du projet, je vais l'appeler prep Adonis avec une majuscule parce que je veux vraiment une majuscule. Est-ce que je veux ESLint? Ouais. Bon, ESLint, c'est cool. Est-ce que je veux prettier? Ouais, YOLO. Ok, c'est en train d'installer. Bah, il faut juste attendre. Sinon, vous avez passé une bonne journée? Désolé, ça va être le live où je vais boire beaucoup parce que j'ai beaucoup soif. Alors, qu'est-ce que c'est que ESLint et Prettier? Prettier, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, va rendre joli ton code, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va formater ton code d'une certaine manière en suivant des conventions. L'avantage, c'est que si tu es plusieurs développeurs, enfin pas toi qui es plusieurs personnes, sinon c'est bizarre, mais si tu es dans une équipe avec plusieurs développeurs, ça assure que tout le monde travaille et déploie le même code, en fait, le même style de code. ESLint, ça va permettre de vérifier ton code et vérifier que il n'y a pas de problème de correspondance de type, ce genre de choses. Ça va faire des vérifications en plus. Alors ensuite, on peut se rendre dans prep Adonis et on va faire un coup de node ace server --watch. Debug d'un projet Django pour ma part. Ben, j'ai jamais fait de Django. Est-ce que Python donne de jolies erreurs? Est-ce que Python il crache de jolies erreurs? Je suis très curieux. Je suis devenu très sensible à ça. Donc là, on a un petit Hello World, ok. Et on va ouvrir ce projet-là. Est-ce qu'on l'ouvre sur VS Code ou on utilise PHP Storm? Est-ce qu'on se tente VS Code aujourd'hui? J'ai rien fait pour ma part. Oh. J'en ai glandouille, quoi. Allez, on va essayer. Ah. Atom. Bon, on va partir sur PHP Storm. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. J'ai un nouveau launcher aussi. J'ai ce launcher-là. Je le trouve pas mal. Enfin, c'est toujours Rofi, mais le skin est pas mal. Je vais juste couper mon écran au cas où ils mettent la licence ou les trucs comme ça. Par contre, je crois que j'ai flingué un truc dans mon nouveau setup. J'ai supprimé dans mes .files un truc qui concernait la souris. Et je viens de me souvenir pourquoi je l'avais ce truc-là. Et en fait, il y a une accélération bizarre sur Linux. Et je la trouve infernale. Et donc, j'ai du mal à cliquer. Et il faudrait que je le remette en place. Je crois que j'utilise IMWheel ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce que c'est. Mais il y a un truc qui me permettait de désactiver cette foutue accélération matérielle. Je la trouve infernale. Enfin, pas matérielle, mais... Alors là, je suis en train d'ouvrir le projet. Et je ne vous montre pas ça parce que c'est mon explorateur de fichiers. Et dans mon explorateur de fichiers, il y a tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Mais après, c'est parce que je passe beaucoup entre... J'oscille entre Windows, Mac et Linux. Et tous ces systèmes n'ont pas la même manière de gérer l'accélération de la souris. Surtout quand je passe de Windows à Linux, ça me déstabilise beaucoup. Je m'y fais une fois que j'y suis, mais j'ai pas mal de problèmes à passer de l'un à l'autre. Ah, c'est bon, j'arrive pas à trouver un dossier quoi, sur le système. J'active toujours l'accélération. Ben, ça dépend, sur macOS, je la trouve assez bien faite, pour être honnête. Sur Mac, avec le trackpad, là, quand tu touches avec ton doigt, c'est vraiment cool. Mais par contre, c'est vrai, quand tu as une souris branchée dessus, je n'aime pas du tout. Quand tu as la petite souris, c'est pas pratique. Alors, on va peut-être rapatrier ça ici et on va regarder un peu la structure. Alors, peut-être vous avez en tête ce qu'on avait vu hier. L'accélération, pas la vitesse plutôt. L'accélération, en fait, ça veut dire que si tu parcours un centimètre avec ta souris, ça va parcourir la même distance à l'écran. Mais quand il y a de l'accélération, ça veut dire que si tu parcours vite, c'est un centimètre, le curseur va aller plus loin. Alors que si tu vas lentement, il va plus lentement. Tu vois, si je me déplace lentement, le curseur, il ne bouge pas de beaucoup.
Mais si je bouge beaucoup le curseur, mais enfin, si je bouge rapidement, il a bougé beaucoup plus. Et ça, c'est l'accélération. Et ça, c'est le pire des trucs. Du coup, alors, dans le dossier app, on a les exceptions. OK, là, c'est les commandes. On a un dossier avec les configs. On va juste regarder rapidement de quoi il en retourne. Dites-moi si la typo, elle est bien ou pas, ou si vous voulez plus gros. Ah, putain, ça commence, quoi. Ouais, bah vas-y, tu trouves pas le fichier ESLint là? Il est juste là. Ah, la fenêtre est toute petite. Peut pas l'agrandir. Ah, yes. Ouais, non, on va essayer de mettre ça. Je sais pas pourquoi il a l'air de péter un câble. ESLint, please specify path to ESLint package. Quoi, il n'est pas installé? Alors attendez. Ah non, me dis pas qu'il refait ce bug. J'ai peut-être plusieurs versions de. Non, j'en ai qu'une seule. Par contre, je vais regarder dans le package.json. Non, il est bien là, hein. Est-ce que les dépendances ont été installées? Oui, elles ont été installées. Il devrait le détecter, en fait, je comprends pas trop. On va voir. Mais sinon, on va partir sur VS Code, effectivement. Ok, donc ensuite, dans la partie config, donc on a ce body parseur qui est là. Je suis désolé, hein, comme je l'ai dit, je suis sur un nouveau système complètement vierge et j'ai pas eu le temps de tout configurer. J'ai fait du montage toute la journée, donc je n'ai pas passé du temps dessus. Ok, alors moi, ce qui me. Premier truc, c'est ce Hello World là. On n'a pas l'air d'avoir des contrôleurs, des trucs comme ça, sauf si j'ai pas fait gaffe, quoi. Tu les as, tes anciennes. Oui, il faut que je remonte dans l'historique, mais en fait, c'est que j'ai fait un commit où j'ai delete les choses. Alors, et pareil, la valeur de scroll, elle est trop faible. C'est long de scroller les pages, je trouve. Donc, il faudrait que je refasse un peu de setup. Ok. Bon, là, jusque-là, il m'explique juste que je peux build la production. Ok. Alors, après, on va m'expliquer un petit peu la structure des fichiers. Tu as rajouté un EE dans le package.json? Merci. Forcément, ça va bien marcher. Alors, est-ce qu'elle nous explique? Le TS config. Ça, je m'en fous. M'en fous. M'en fous. Bon, ça c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. The app directory contains the source file of your application. C'est bizarre, donc du coup c'est là qu'on devrait avoir le contrôleur en vrai. The contract directory, c'est les interfaces, les types, ok. Start directory contains the file that must be loaded only once, ok. Est-ce qu'on s'en foutrait pas et qu'on avancerait quoi? Donc pour commencer, on aimerait bien avoir un premier contrôleur qui soit slash hello et qui nous réponde en JSON bonjour les gens quoi. Donc on va commencer à avancer un petit peu. J'essaie de passer sur toute la documentation juste pour m'assurer de ne pas faire n'importe quoi. Donc on est censé avoir dans le dossier starts ici un fichier route. OK. Et là on a la route qui nous retourne bien cet objet-là. Donc si je voudrais un nouveau beau truc, je peux faire route. Et ensuite, je lui dirai slash hello. Et ça serait asynchrone. Et je retournerai du coup juste bonjour. C'est un framework Node.js, effectivement. Ça me dérange ce truc-là de. Attendez, hein. Je. NTX ESLint-help. On est d'accord, ça fonctionne. Non, je vais peut-être modifier les settings, lui dire. Je veux ça. Le node, c'est le project node. Le ESLint package, c'est celui qui est là. Hein. Et le working directory. C'est ça. Voilà, débrouille-toi. Ok. Cannot read the config file. T'es con ou comment ça se passe? Et il est là le fichier. Ah, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre un des trucs là, là. Je pense en vrai. Ça commence quoi, les problèmes commencent. Ah putain. Est-ce que ça c'est bien installé en fait?
J'ai pas envie de passer 2 heures sur ça, pour être honnête. C'est ça qui me fait chier. Vous savez quoi? On va désactiver complètement VSLint. Ok. On a prettier, je pense qu'il fait le taf et on va pas s'embêter. Donc ensuite, on aimerait bien avoir un paramètre dans l'URL. Alors, comment on fait ça? On descend, je regarde s'il y a des exemples. Bon, on peut avoir des contrôleurs. On veut des routes avec des paramètres. Ok. Bon, j'avance un petit peu vite parce que ça ressemble à du Laravel, donc la philosophie, je la connais déjà bien. Et là, on va mettre un template string. Ah, mon Xmodmap ne fonctionne pas non plus. Ok, encore un autre truc qui ne marche pas sur mon système. Et là, on mettra bonjour. Bonjour, suivi du nom de la personne. Donc ce nom, on va le récupérer en paramètre ici. Donc on aurait un objet qui contiendrait params. Et là, on mettrait du coup params.name, si j'imagine. Donc si je fais slash hello slash John, ça devrait marcher. J'ai déjà fait du Nest.js, on l'a fait hier. Tu peux regarder sur les streams. Je vais envoyer ça sur la chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube Graphic Art Live. Je vous la mettrai sur Discord ou je ne sais pas où je vous la mettrai, mais je vous l'annoncerai. Et globalement, tous les streams au-delà de 7 jours seront disponibles sur la chaîne YouTube. Donc là, ça fonctionne bien. OK. Donc maintenant, on veut interagir avec la base de données. Et notre idée, c'est de mettre en place un système de recettes de cuisine qui permettent de gérer des recettes de cuisine. Donc on va commencer par le CRUD classique et on va peut-être se créer une base de données. Alors on va voir la partie, est-ce qu'on saute tout et on va direct à la partie ORM, qui n'a pas l'air d'être très bien explicité au passage. Hein. Database, ouais, c'est en haut, il y a une double navigation. Express, ça va être demain. Alors, The Database Query Builder offer un rich API. Alors, setup. Ah non, ça c'est une intro en fait. Il t'explique un peu comment ça. Mais tu t'en fous, toi tu veux setup le truc quoi. Donc, il faut charger ça. Et on va le charger via Yarn. Ça j'aime bien, ils te font un truc au cas où tu sois trop con pour savoir installer une dépendance, quoi. Bref. Je fais un Yarn add. Et je rajoute ça. Donc, si vous vous souvenez, hier on a utilisé TypeORM, qui fonctionnait avec des systèmes de typage. Next, you must set up le site by running invoke command. The following command will create the default config file. OK. Alors, par contre, j'ai oublié Node. Alors, on va utiliser une base de données MySQL, MariaDB. Ah, faut appuyer sur espace. OK. Alors, j'aime pas trop. Si vous faites des interfaces en ligne de commande, évitez ce genre de truc parce que des fois, ça marche mal et on ne voit pas quand on coche les trucs. Select where to display instruction. Instructions about what? In the browser. Je comprends pas trop la question en fait. Chelou cette question. Ah. Ok, oui, c'est pour ouvrir l'aide. Pour les choix multiples, espace, ça coche. Ouais, mais en fait, sur je sais plus quel serveur, j'avais un problème avec les fontes. Et du coup, je ne voyais pas ce que j'avais coché et décoché. Donc, évitez d'utiliser des. Enfin, tu vois, mieux vaut utiliser des tirets ou des croix ou un truc que tout le monde comprend plutôt que des caractères un peu bizarres. Mais ouais, en plus, ce n'est pas intuitif. Heureusement, là, quand j'ai appuyé sur Entrée, il me l'a détecté. Et il m'a dit, attention, tu ne peux pas faire ça. Donc, dans le env.ts, on devrait avoir des informations concernant la base de données, de ce que je comprends. Open the env.ts et pass the following code. C'est dommage qu'il ne le fasse pas lui-même. Hein. OK. Et ça, j'imagine que tous ces paramètres-là, on va les mettre dans le point env. Ils ont déjà été mis. Alors, comment on appelle notre base de données? On va l'appeler prep Adonis. Le mot de passe, ça sera root. Le nom de la base de données, ça sera prep Adonis. Et le login, ça sera root parce que la sécurité avant tout. Maintenant, on va rajouter cette base de données à la liste des bases de données. Donc, on va rajouter dans la partie une base de données MariaDB. Voilà. Donc, le login, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Et ensuite, on télécharge le driver. OK. Alors, cette base de données, elle n'existe pas. Donc, on va faire un coup de MySQL-uroot-p root-e create database. Et on va l'appeler prep Adonis.
C'est compliqué de modifier proprement un point JS et un point TS. Oui, clairement. Je suis d'accord avec ça. Ah. Alors ça, c'est moi qui ai dû faire un excès de zèle et me dire, je vais pas démarrer MariaDB en permanence parce que j'en ai pas besoin tout le temps. Quand je dev pas, j'en ai pas besoin. Donc je vais la démarrer sur le côté. Voilà. J'espère qu'elle est pas flinguée l'install en vrai. Non, c'est bon. Tirer prout. Je l'avais même pas capté. Ouais, effectivement. Et là, on a prep Adonis. Je teste la connexion. Non, c'est qu'en vrai, tu peux mettre un espace, mais moi, j'aime bien mettre les trucs attachés parce que je suis con. Ok, donc là, on a notre petite base de données et pour l'instant, elle est complètement vide. Donc là, je pense avoir fini cette configuration-là. Ouais, je pense pas qu'il y ait plus à lire. Hein. Allez, on ferme cet onglet-là. Allez, on passe au chapitre suivant. Il faut configurer MySQL. Donc, on doit installer MySQL. J'aurais pu le dire de le faire dès le début, là. Quitte à installer un truc tout à l'heure. Next, open the database. Mais ça n'en finit jamais, ce truc-là. Ok, donc dans la partie database, je rajoute une connexion. Ah, to review. Non, non, on doit juste review. Donc, on doit juste regarder si c'est bon. C'est bon. Vous êtes satisfait? Are you entertained? Ouais, donc là, on est bon. En fait, j'ai l'impression qu'il me redonne ce qu'il m'a dit tout à l'heure, là. Les couleurs du terminal sont hard, je trouve. Et c'est la typo du terminal qui va pas. Il n'y a rien qui va sur ce terminal. Je te dis, j'ai vraiment... Ouais, c'est désolé, hein, mais... je referai mon petit setup ce soir et demain, vous aurez un truc encore mieux. Alors, on a apparemment le support d'un health check qui permet de vérifier si ça fonctionne correctement. Donc, ça, j'imagine, ça va se connecter à la base de données et aller checker un truc. À ce niveau-là, on va aller... dans notre... comment ça s'appelle? Merde, vous me faites rire, j'ai paumé le truc. La première recette sera évidemment des pâtes bolognaises au ketchup, hein, la fameuse. Donc, on doit importer ça. Alors, c'est ça qui m'a étonné, c'était le @ioc qui m'étonne, mais bon. Alors, ensuite, on charge elf. On a la réponse. Est-ce que ça, c'est typé? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Et à l'intérieur, on voit tout. Ça, c'est vraiment bien. Je déteste notre JS pur. Quand il n'y a pas les typages, vous savez, vous faites un middleware et du coup, c'est galère, quoi. Donc, si c'est report.elfi, dans ce cas-là, ça renvoie un OK avec le report. OK. Donc là, si je fais slash elf, ça me donne erreur not found. Je l'ai bien tapé? Non, j'ai oublié un L. Donc, ça me donne elfi à true, ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors, on fera la pizza à l'ananas, promis. Manual query, ok. Alors maintenant, on va créer notre première entité qui va permettre de représenter notre truc. Alors, comment elle est foutue, leur documentation? The database query builder does a great job by letting you write SQL linear, mais comment je fais? Data models, using model, defining model. Donc, mon idée, c'est de créer une entité. Model factory. Have you ever written test in which... Bon, les factories, c'est pour remplir la base de données. Là, on ne va pas le faire tout de suite. Ça, c'est pour créer des migrations. D'accord. Donc ça, c'est... Alors moi, c'est un truc que j'aime pas trop avec... avec Laravel aussi. C'est le fait que les migrations soient complètement désolidarisées des modèles. Ce qui fait que tu dois t'assurer que les deux sont bien connectés ensemble. Et ça, je trouve pas ça ouf. Mais on va commencer par créer le modèle, si vous voulez bien. Et on va voir s'il y a une commande pour ça. Parce qu'on est quand même... un bon développeur est un développeur qui est flemmard. Et on va faire un coup de node ace make. Et on va voir ce que ça nous donne. Si ça nous trouve des commandes qui correspondent à ce que l'on veut. Des pâtes maillot. Genre juste pas tes maillots, quoi. Est-ce que là il nous dit ce qu'il y a comme commande quand tu fais juste make? Non.
Et c'est quoi le tiret M? Ça doit créer la migration. Donc là, je fais un coup de... Ah oui, ça ne se voit pas. De node ace make de point model. Et on va l'appeler recip. Désolé, des fois j'ai des absences, c'est normal. C'est juste que je pense à un truc et puis je me perds dans ce que je pense. Ok, donc ça crée la migration et la recette. Alors, on va d'abord définir un petit peu le format de cet objet-là. Donc, on voit que d'abord, il a créé le datetime et le updatedAt, ça c'est pas mal. On va s'imaginer qu'on a une propriété publique qui sera le nom de notre recette, qui sera donc une chaîne de caractères. Et on aura une propriété publique qui sera le contenu, qui sera aussi une chaîne de caractères. Et qu'est-ce qu'on a pour les recettes de cuisine? On avait d'autres trucs, genre un slug ou un truc comme ça? Après, on va mettre colonne là. Alors, est-ce qu'on nous explique ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Type string. Alors, comment on fait? Par exemple, là, j'ai envie de dire c'est une chaîne de caractères. Est-ce qu'il y a des options? Ah, c'est parti, là, c'est parti pour que je galère. Column name, serialize, is primary, meta, serialize, prepare, consume. Ok. Moi, j'imagine qu'il devine tout. En même temps, je suis con, c'est pas là que tu vas gérer les choses. Là, il va deviner que c'est une chaîne de... Enfin, c'est pas ça qui fait la migration, donc on s'en fout en fait. T'as juste à mettre colonne. Alors, si vous voulez, je réfléchis à un truc. Deux secondes. Je vais brancher mon disque dur. Voilà. Et je vais rapidement regarder ma config URXVT que j'ai sauvegardée, voir si je retrouve pour zoomer, pour que vous voyez ça correctement. C'est sur la scie, le chien fidèle. Je crois que c'est là que je l'ai mis. Parce que je fais toujours une backup de mes choses. C'est RXVT normalement. RXVT, RXVT. Donc, comment j'ai géré ça? Comment j'ai fait en sorte que quand je fasse CTRL plus, ça zoome dans le terminal? C'est magique. Alors, attendez, je vais y arriver. Je vais pas perdre 2 ans, hein. Je cherche un truc. Point config. Non, c'est document. Je vais ouvrir mes dot files. Alors, où est-ce que j'ai foutu la préférence de URXVT? J'ai juste le X ressource là. Merde. URXVT. LMNOPQRSTU. STUUUU. Bon, bah je sais pas. Je sais pas, je chercherai plus tard. Mais c'était un raccourci très intelligent, j'aurais dû mémoriser où je l'avais fait. Toujours prendre des notes quand vous faites des trucs pour éviter ce genre de trucs. Alors, maintenant qu'on a créé ça, on va modifier la migration qui a été créée dans le dossier que j'aurais dû regarder avant de nettoyer mon terminal. Il est là. Alors là, est-ce qu'on a de l'autocomplétion? Donc, je veux créer un champ qui sera une chaîne de caractères. Je choisis le nom de la colonne, c'est name, et la taille. Alors, est-ce qu'il y a des explications sur les tailles? CTRL B. Length, c'est juste un nombre. Donc on va dire que c'est 255 caractères. Je me demande en fait, est-ce qu'il y a long texte? C'est ça la question. Ou il faut mettre une chaîne en lui disant que c'est super long? Ouais, on a ça. Donc là, on va mettre qu'on a le contenu de la recette et le texte type. Donc, c'est bien d'avoir les typages, hein, comme je dis. Je suis pas forcément, j'aime pas le. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas le texte type ici. Là. Ça, c'est quoi ça? Texte type. Ah. Là, en vrai, je pense qu'il faut mettre longue, mais je suis pas sûr quoi. On va tester. J'espère juste qu'il plantera pas en plein milieu. Après, on a les timestamps. Ça fait vraiment entrer la Ravel pour le coup. C'est tout ce qu'on va faire. Hein. Un nom et un contenu.
Ben, c'est ce que je me dis, apparemment, il n'y a pas moyen de générer la migration automatiquement. Peut-être, je dis des bêtises, j'ai vraiment lu la doc en super méga diagonale, mais à première vue, on n'a pas la possibilité. Si c'est comme Laravel, on n'a pas trop la possibilité. Si ce n'est dans les lignes de commande d'appeler les choses, quoi. C'est ce que j'aime pas. En fait, j'aime pas trop cette approche-là parce qu'en fait, ça t'oblige à t'assurer toi de faire bien la synchronisation. Maintenant, on va pouvoir lancer la migration. Donc ça permet de créer la migration. On ouvre le truc et ensuite, migration. So make sure. Ok. Donc je fais ça et ça va lancer la migration tout seul. Enfin, tout seul. Je tape quand même la commande, donc ça ne lance pas vraiment tout seul. Et là, j'ai créé les recettes. Donc si je réactualise cette partie base de données, j'ai bien mes recettes avec mes champs. Cool, cool, cool. Et bah, du coup, on va pouvoir créer notre contrôleur. Est-ce qu'on a un truc pour le CRUD? Est-ce qu'on a un générateur de CRUD? Nope, pas à première vue. Est-ce que... Alors, quelqu'un m'a dit, tu peux faire juste node ace et ça te liste les trucs? Un make CRUD, j'aurais bien aimé. Hein. Alors le CRUD, c'est le diminutif des opérations que tu peux faire sur une API ou plus généralement sur un contenu. C'est create qui permet de créer un enregistrement, read qui permet de lire un enregistrement, u qui permet de update, de mettre à jour un enregistrement et d qui permet de supprimer un enregistrement. Donc là, on va créer notre premier contrôleur. Donc, on va faire un coup de node ace make de point contrôleur. Et vous me dites de rajouter un tiret h pour avoir de l'aide. Mais ça n'a pas l'air de donner beaucoup de choses. Ah, si ce n'est qu'on a un add resourceful method for the controller class. Donc, on va rajouter un tiret r. Et notre contrôleur, on va l'appeler ben, recip. Alors, on ne va pas mettre le mot-clé contrôleur. On va juste mettre recip. On va voir s'il rajoute contrôleur derrière. Donc dans ce receipts controller, et après plus généralement en fait comment ça s'appelle? Le CRUD correspond en fait aux opérations que tu vas avoir au niveau de ton API. Donc il faut créer tout ça. Ta tête sur le terminal, ouais mais tu loupes pas grand-chose quoi, je dis ce que je fais. Donc là on a notre contrôleur qui est créé, et on aimerait bien peut-être créer les routes aussi qui vont avec. Est-ce que ça on peut le faire ou faut le faire soi-même? Ok, bon alors on va regarder, on va revenir dans la partie routing et on va voir si on a effectivement la possibilité de générer des routes pour un CRUD automatiquement en une truc. Vous savez comme sur Laravel, je crois qu'il y a une ressource ou quelque chose comme ça. Donc on revient dans la partie basique. On va dans routing. Et dans routing, on va chercher ressources parce que je sais déjà ce que je... Ah, je sais déjà ce que je veux. Voilà, donc c'est plus simple de chercher ce que tu veux plutôt que d'attendre de trouver ce que tu cherches. C'était philosophique cette phrase. Vous pouvez la poster sur Facebook avec un petit fond de plage. Donc là, on va mettre recips et ça sera donc notre recip contrôleur. Et ce truc-là, il est où? Je trouve très intéressant l'évolution des attentes par rapport à ce type d'évolution. Avant API plateforme, je me serais jamais dit est-ce que je peux avoir un CRUD en 2 secondes? C'est assez drôle. Ah ouais? Ben, en vrai, le truc, c'est que moi, je trouve que quand tu prototypes une application, moi, j'ai tendance à faire une API, mais toute pétée au début. Genre, t'autorises quasiment tout, on peut tout taper. Et au moins, ça te permet d'aller vite sur le front, enfin, que l'équipe sur le front puisse travailler. Et après, tu commences à rajouter les contraintes, des choses comme ça. Et on va dire que créer les différentes routes qui correspondent aux opérations, c'est tellement rébarbatif, c'est tellement toujours la même chose en fait que c'est super chiant en vrai. Donc si on liste les routes, si on fait un petit coup de node ace list de point routes, voilà, on voit l'ensemble des routes. Alors c'est pas très bien mis en page, mais ça ressemble à ça. Et donc si je fais slash recipes, je peux avoir mes recettes. Et si je fais... Ah ouais, on peut refaire le truc HTTP de hier là. Si je cherche HTTP, HTTP,
Ouais, c'était ça. Donc, on va appeler avec 3000. On va essayer de récupérer, enfin, de créer une recette. Donc, on appellera en post localhost de point 3333. On veut créer une recette et on va lui passer un objet qui va contenir les informations. Donc, le nom de la recette. Donc, name. Et le nom de la recette, ça sera. Alors, ça, on va préciser que le content type de notre requête sera du application JSON. Donc le nom de la recette, ça sera, allez, pizza à l'ananas. Et le contenu, ça sera décongelé ou déballé, non, aller à la pizzeria la plus proche et commander une pizza à l'ananas. Voilà. Je quitte le stream. Bon, ok. Pizza au kiwi. Comme ça, au moins, voilà, c'est encore 100 fois pire. Une pizza au kiwi. Alors, maintenant, on essaie d'exécuter cette requête-là. Donc, on l'exécute et on se retrouve avec une réponse qui est complètement vide parce qu'on n'a pas fait de traitement au niveau de notre récip contrôleur. Donc, l'action qui va être déclenchée. C'est à ce niveau-là, cette action-là. Donc là, j'imagine qu'on peut récupérer des informations sur le contenu. Donc on va voir dans le HTTP Context Contract ce qu'on peut récupérer. On voit qu'on a la request et on a la response. Donc moi, c'est dans request que j'aimerais bien récupérer le body sous format JSON. Donc je m'imagine que j'improvise complet. Je vais regarder ce contrat-là. Et ben on va voir si on a des choses, quoi, hein. On va voir si on a du JSON ou un truc comme ça. Moi, j'imagine que JSON, ça serait vraiment pas mal. Donc, on va récupérer à la limite l'objet. On va laisser l'éditeur faire sa magie. Donc, je récupère la request à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, je vais faire un console.log request.body. Alors, body, on voit qu'on n'a pas grand-chose. Et on a tout JSON. Params. Ou get, peut-être. Tiens, j'essaierai de récupérer le nom de la recette. Est-ce que ça fonctionnerait? Là, je pars en impro, hein, je regarde ce que ça fait. Et là, il râle parce que je crois qu'il a besoin de. Ce qui le fait péter un câble, c'est. Ah non, ok, non, non. C'est juste qu'il attend get avec rien, c'est ça? Ça renvoie un objet avec les paramètres. Ok. Ben, on va regarder. J'essaie de réexécuter ma requête que j'ai perdue. Elle est là. Comment on fait pour la réexécuter? Donc il me dit toujours que le body est vide, mais par contre dans mon console.log, on voit qu'on a un objet vide. Tout n'est pas fonctionnel. Maintenant, il faut traiter justement ce body. Alors, comment on fait? Je pense que c'est dans la partie content negotiation. Ouais, non, c'est pas vraiment ce que je cherche. Ça me fait penser. Alors, je ne sais pas s'il y a ça dans la Laravel, mais ça fait vraiment penser à du Ruby on Rails. Donc, mon objectif, c'est de récupérer les datas. Alors, the body parser middleware est responsible. Alors, dans le kernel, on devrait avoir déjà le body parser. De ce que j'ai compris, on l'avait déjà, hein. Il est là. Donc il est déjà enregistré. Donc si on veut récupérer les champs, on peut faire un request.all. D'accord. Donc là, je peux faire un request.all. Je refais ma petite requête ici. Et dans mon terminal, j'ai bien la pizza au kiwi. Pire idée cette pizza. Ça existe vraiment ou pas? Parce qu'on a rigolé avec Romain en trollant hier sur ça, mais moi je disais que ça pouvait pas marcher en vrai. Avec le four et tout, ça doit donner une pâte dégueulasse. Ça existe. Tu fous le kiwi avant la cuisson, c'est pas. Après la cuisson, c'est pas possible. Bon, désolé, je sais que ça n'a pas de rapport, mais j'ai envie de savoir, quoi. Ah, mais c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Ah, c'est pire, ça. Ah, c'est pire que ce que. Ah non.
putain, l'enfer, quoi. Ah non, 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 ok, non, 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 je veux. Ah, oh, putain, le mec a imaginé ça. Non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est la base sauce tomate. Tu vois, autant tu me sors ça, bon, c'est plus une pizza, c'est une. Non, mais c'est pas possible. Non, 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 non. Non, désolé, désolé. Voilà, moi j'ai mis ça pour troller, je pensais pas que ça existait vraiment. Alors maintenant, on se dit, j'aimerais bien quand même valider les données avant de les envoyer. Kiwi crevette, mais c'est. Ah. Bah j'avais faim, j'ai plus faim, quoi. Je pense que le pizzaiolo quitte son taf. Bah, en vrai, le pizzaiolo, tu lui demandes ça, il va surtout te dire, j'ai pas de kiwi, quoi. Personne. Tu vois déjà qu'il est un ananas, c'est chaud. Mais alors un kiwi? Que tu lui demandes, c'est que tu commences à lui demander des trucs funky comme ça. Moi, ouais, j'aimerais bien avoir une pizza fruit du dragon, s'il vous plaît. Avec supplément fruit de la passion, s'il vous plaît. Non, non, c'est impossible. Comment on valide des données? Reading from data. Validating from data. Alors, on peut créer des schémas. Plat dessert, c'est pratique. Ouais, tu fais un entrée plat dessert, quoi. Tu fais pâte aux chips. Ensuite, tu mets du jambon et des pâtes. Et kiwi, kiwi cerise, quoi. Comme ça, voilà, YOLO, quoi. Tu te fais ton repas. Trust user input. Saucisse chantilly. Ah, putain, mais vous êtes hardcore, quoi. C'est dégueulasse. Ah, ouais, tout se retrouve. Ouais, non, mais ça, c'est cette phrase. Combien de. Bon, bref. Là, j'essaie de créer un schéma. D'accord. Et on crée ce schéma-là. Faudra importer schéma depuis ça. Alors là, c'est là où les choses se compliquent. Alors déjà, j'aurais pas dû fermer ce que je viens de fermer là. Parce que à chaque fois, je vais le rechercher. Si j'ai pas de chance avec le clavier, j'ai la touche contrôle qui marche de moins en moins bien. Du coup, quand je fais contrôle quelque chose, ça fait juste le caractère. C'est pour ça que vous me voyez dropper des caractères un peu random. Attendez, je vais refaire cette requête là pour que le panneau reste en bas. Donc apparemment, on peut créer un schéma pour valider les trucs. Alors, pour l'instant, on va faire ça. On va faire const post-store schéma égale, du coup, schéma.create et on crée notre schéma. On lui passe les informations et c'est là que je me pose la question. Est-ce qu'il est capable d'importer ça comme un grand? Comment il sait ça, là? Ça, c'est quoi, ce truc-là? J'ai jamais vu un arrobas quelque chose. En fait, j'ai du mal à comprendre le arrobase AIOC 2 points quelque chose. Et comment PHP Storm est capable de dire voilà ce qu'il faut importer. Il y a quelques. Attendez, je vais faire une recherche sur arrobase IOC. J'aimerais bien trouver un endroit où il explique. Ok, c'est là où on a des modules en fait. Je pense que c'est ça qui permet de le retrouver. Ouais, c'est un. Non, ça n'a pas l'air d'être un alias. Ça a l'air d'être une déclaration de module et c'est pour ça qu'il arrive à le retrouver quand je fais l'autocomplétion. Donc là, on veut un champ name qui sera donc une chaîne de caractères. Donc on mettra schéma.string. Et dans les options, on va voir si on a required. Non. Et est-ce qu'on a required? Non. Est-ce que ça, du coup, ça implique que c'est required? Point hello nul? Non. OK. Et ensuite, on mettra content et on lui dira que ce sera un schéma.string aussi. Alors on va voir si on peut soumettre les choses avec des données qui sont invalides en fait. Donc ensuite, on doit valider la requête. Voilà, ouais, on va copier la recette. Hein. Voilà. Donc on fait un await de request.validate. On lui passe le schéma. OK. Et ensuite, on a un cache key, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Alors j'espère qu'ils expliquent pourquoi. Donc non, on n'explique pas trop pourquoi, mais j'imagine que c'est une clé de cache. Maintenant, la pire explication. Le mec le plus évasif du monde. Donc j'essaie de resoumettre ça et on me dit toujours que le contenu est vide. Alors là, on va mettre juste une chaîne de caractères en mettant OK pour voir. Schéma.string.required. Bah, je m'attendrais à avoir un point required, mais on ne peut pas chain les trucs. Toi, tu dis que tu en as required. Non, on ne peut pas. Donc là, on va tester maintenant d'envoyer une requête qui est partiellement bonne, à mon sens. C'est-à-dire que là, on va retirer le name et on va mettre ça. Je réexécute. Et là, je tombe sur une erreur de validation. Le nom est requis.
Ok. Peut-être que dans les options ici, tu peux préciser est-ce que tu l'autorises vide ou pas, quoi. Je pense. Tu dois pouvoir faire un truc dans le genre, mais bon. En tout cas, ça a l'air de valider les trucs, ce qui est pas mal. Et on voit que si on passe des champs supplémentaires, si par exemple je passe name et name, est-ce que je vais me retrouver avec name qui va être conservé ou pas? On voit que dans la console, non, ça filtre bien. Donc ça, c'est pas mal ce système de schéma. Donc par rapport à Nest qu'on a testé hier, c'est vraiment différent. On a un schéma qu'on crée et qu'on utilise pour valider les données en amont. Là où avec, comment ça s'appelle? Avec Nest, on crée le schéma carrément sur l'entité. On mettait des annotations. Et ça servait à valider les choses. Alors on va continuer, peut-être il y a une autre manière de faire les choses. Displaying validation errors, ouais, ok. Retaining form input value, je m'en fous. Showing success, on s'en fout. On s'en fout. Ah, using the validator classes in order to keep the controller clean and small. Ouais, c'est exactement ce que je veux faire là. Je vais éviter de faire ça. On va créer notre propre validateur. Donc, on va créer un validateur pour les postes. Et on a donc notre post validator. À l'intérieur. Define schéma to validate the shape type format. Custom. Ok, bon, ça a l'air compliqué pour pas grand-chose en fait. Je vais juste refaire ça quoi. C'est la même signature de fonction. Hein. Donc là, on va lui préciser que je veux le nom et le contenu. Ok. Ouais, tout le reste, je m'en fous en fait. Et après, je peux supprimer. Ouais, donc tu fais quand même le traitement à ce niveau-là. Ok. Donc tu préfiltres les données. Alors sur Laravel, on a un truc. Juste pour comparer, hein, j'aime bien faire des comparaisons. Donc là, c'est le post validator. Sur Laravel, on a la possibilité d'injecter une request en fait qui est un truc qui va valider des données. Et on n'a pas cette ligne à écrire. Celle-là. En dehors de ça, c'est le même principe, quoi. Next step. We have just scratched the surface of flush message. Validator deep dive. Ok, donc on deep divera plus tard là. Pour l'instant, on avance. On aimerait bien créer donc, et sauvegarder l'enregistrement. Donc là, il va falloir revenir sur la partie database. Donc comme hier, on se donne 2h30 hein, pour découvrir l'outil. Operations. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Donc là, globalement, j'aimerais bien sauvegarder mon utilisateur. Donc je peux le créer et je peux le créer à partir de l'input qu'a fait l'utilisateur globalement. Donc là, je pourrais lui dire, j'aimerais bien faire un... Un await, c'est recip.create. Donc on voit que le modèle sert à la fois pour faire les méthodes de. Et ok, on n'a pas une couche repository comme ça pourrait être le cas sur d'autres outils. Et je lui passe les datas en modulo. Je vais récupérer la recette. Et maintenant que j'ai la recette, je la retourne. Et j'imagine que, comme par magie, il va sérialiser un petit peu ça. Et ça, on va carrément le return, ça sert à rien de s'embêter. Voilà, et là, je vais lui dire que cette méthode, elle va renvoyer une recette. Qui est en fait une promise qui renvoie une recette. Attention au moment de vérité. Il a l'air de râler un petit peu là-haut. Ah, il râle à cause de ça. J'exécute cette requête-là. Et on me dit connection reset. D'accord. C'était pas vraiment ce que j'espérais en vrai. Je vous avouerai que j'espérais plutôt que ça marche. Alors on va faire un return hello. Déjà juste pour voir si ça marche parce qu'il est possible que j'ai merdé un petit peu plus en amont. Je réexécute. Là, j'ai mon hello.
Je fais ça, je ne return pas, mais je vais faire un return de hello. J'exécute et ça fonctionne. Donc là, ce qu'il n'accepte pas, c'est le fait que je retourne des données qui sont globalement un objet, quoi. Donc il va me falloir sérialiser. Donc j'imagine que là, il ne faut pas lui renvoyer ça parce que sinon il pète un câble. On va créer la recette et on va retourner le récipe qu'on sérialise. Bon, du coup, on ne va pas mettre de retour là. Par contre, la récipe, ça... Alors là, vous voyez, je ne suis pas forcément fan parce que pour moi, ce n'est pas de la sérialisation ça. En même temps, ça veut dire quoi, sérialisation? Oui, bon, on peut appeler ça de la sérialisation. J'aurais appelé ça de la normalisation, mais bon, peu importe. Ok, donc on est bon. On va refaire un petit essai. Donc, je réexécute ma requête. Et là, on voit bien qu'au niveau du retour, on a bien nos informations. Salut Romain et à toutes. Maintenant, le souci, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas tout sérialiser? Est-ce qu'on peut créer des groupes? Alors, on peut le faire apparemment comme ça. Ce que je trouve plutôt pas mal. Juste un truc qui me dérange avec cette approche. En fait, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu en dehors du framework là? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de créer une classe qui va gérer la sérialisation pour éviter de m'emmerder avec ça justement. Donc on va aller créer une nouvelle classe, un nouveau type de classe. En fait, quand je fais CTRL N, bon déjà j'ai pas mon raccourci qui fonctionne, ce qui est très chiant. Donc ça veut dire que j'ai pas les dernières préférences quoi. Ça fait chier. On va créer donc des serializers, et on va appeler. En même temps, tu t'en fous en vrai du. Non, je m'imaginais injecter le serializer en tant que dépendance pour pouvoir tester l'IOC. Mais je pense pas qu'on en ait besoin ici. Alors, ouais. Bon, on va faire le post serializer.ts. Donc ça va être une classe que l'on va appeler post serializer. Pourquoi ton éditeur est config avec PHP 5.6? Ah ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. Et quand je clique, j'imagine qu'il le cache. Ouais, allez, vas-y, PHP 8. Non, en vrai, c'est parce que j'utilise PHP Storm. C'est pour ça. Donc là, on aurait un serialize. Serialize. Ouais, ouais, en fait, j'essaie de comprendre, mais item. Et à l'intérieur, on récupérerait une recette. Donc, ça serait une recette de type recipe. Et en fait, je me suis planté dans le nom. C'est le recipe serializer. Donc là, l'objectif, c'est simplement d'avoir un truc qui va serialiser les données. Et je pourrais lui dire de faire un return de recipe.serialize. Et l'avantage, c'est que je peux cherry pick ce que j'ai besoin de renvoyer, quoi. Donc là, l'avantage, c'est que je peux mettre... Merde, non, j'ai pas regardé. C'était où? C'est omit. Je peux lui préciser les champs que je veux serialiser. Et je vais lui dire, j'aimerais bien avoir que le name, par exemple, et la date de création.
Et après, je pourrais avoir le serialize full qui serait la version un petit peu complète, quoi. Et là, je lui dirais de return un receipt.serialize. Bon, la fonction pourrait être améliorée, mais j'aime pas l'idée d'avoir la partie serialisation dans le contrôleur, en fait. Donc, on aurait created at, on aurait updated at, et on aurait quoi? On aurait... Après, on pourrait toujours utiliser le class transformer. Techniquement, je pense qu'on peut utiliser absolument n'importe quoi. Là, on n'est pas trop limité à ce niveau-là. Et après, je peux utiliser ce serializer-là. Il faut juste que je l'exporte. Et je peux l'utiliser dans mon contrôleur. Ce qui me permet ici de lui dire, je veux que tu retournes. Return receipt serializer. Serialize. Ah oui, non, mais ça, c'est des méthodes statiques, en fait. Est-ce que j'ai envie de faire mon relou et de tester? Ce que je disais, c'est que je testerais bien l'IOC. Plutôt que de dire, ouais, mais en fait, j'ai rien à construire dedans, c'est ça qui me dérange. Est-ce que vous auriez une idée à ce niveau-là? Mais en vrai, j'ai pas une dépendance dans ce truc-là, quoi. Et avec cette approche, tu pourrais faire un switch en prenant un nom de groupe. Ouais, après, tu pourrais faire ce que tu veux, quoi. Même ce que tu pourrais faire, c'est prendre la requête. Et c'est en fonction de la requête que tu choisirais ce que tu veux faire. Ça dépend comment tu veux penser les choses. Bon, pour l'instant, on va les laisser en statique. Vous savez quoi? On va faire ça. Et on va lui demander ici de faire un serialize. Donc là, on est dans un... On veut serialiser. Bah, tout, en fait. Ouais, par contre, j'ai mal nommé les trucs. C'était pas serialize item, mais... Et ça, on l'importe. Voilà. Donc ça sera serialize collection. Je sais vraiment pas comment nommer les trucs. C'est mon némésis, ce genre de truc. Mais là, ça devrait fonctionner. Ça ne devrait me normaliser. Ça va normaliser tous les champs, en vrai, là. Mais c'est pour la collection. Donc, on va faire la collection. Ça nous permettra de tester les choses. Normalement, dans notre base de données, on devrait avoir notre recette de pizza au kiwi. Là. Voilà, on a même deux pizzas kiwi. Donc, on va en supprimer une. Et on va faire la partie index. Donc, la partie index, l'idée, c'est de retourner. Donc, on va d'abord récupérer l'ensemble des recettes. Donc, on va faire un receipts. Et j'imagine que là, on doit avoir un find ou un truc qui s'appelle find all. All. Voilà. Et ça nous renvoie une collection, j'imagine. Sur cette collection, on va mapper et serialiser. Je ne sais pas si on a moyen de... Ouais, et puis l'avantage, c'est que là, tu t'emmerdes pas, quoi. Tu fais appel à ton serializer et tu fais l'appel à la méthode serialize et il lui passera la recette. Et tu n'as plus qu'à retourner ça. En fait, je ne sais pas si tu peux directement lui demander de faire en boucle les choses. Je sais, qu'est-ce que ça renvoie, ça? Ça renvoie, ouais, un tableau, quoi. Bref. Alors maintenant, on va essayer de faire cette requête-là. Donc, on va la faire en get. On va appeler localhost de .3333 en lui passant absolument rien. On exécute. Et ça nous donne donc une pizza qui a comme nom pizza au kiwi. Parce qu'on a exporté que le nom. Ok. À première vue, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ça serialise pas directement JSON. Non, la serialisation, en fait, c'est pour ça que serialisation me plaît pas trop comme nom. En fait, ça normalise les données sous forme d'un objet JavaScript, et c'est cet objet JavaScript qui, en fonction de la requête utilisateur, va être renvoyé correctement. On peut se poser la question d'ailleurs, si je lui demande, par exemple, ici du XML et que je lui demande de faire cette requête là, est-ce que d'après vous, et que j'enlève ça, vous voyez que là il me renvoie que du JSON,
il s'en fout de ça. Donc on peut se demander, tiens, est-ce que dans la content négociation, on l'avait vu tout à l'heure, hein, rapidement, est-ce qu'on a la possibilité de gérer du XML? Ouais, mais non, c'est bon, hein? Au début de la page. Ah, toi, tu penses que ça serialise directement JSON, le serialize? Non, t'as pas tort, t'as pas tort de ce. De... En fait, peut-être effectivement la sérialisation renvoie une chaîne de caractères. Ce qu'on peut faire pour tester, c'est déjà fermer tous ces onglets parce qu'on s'y retrouve plus. Mais on va aller dans la partie de notre serializer justement. Et on va faire un petit console.log de ça. Et on va voir si c'est un objet ou pas, quoi. Donc je réexécute ma requête qui me donne toujours le nom de la pizza au kiwi et je vois que j'ai un objet. Non, non, c'est bien un objet qui est renvoyé. Et c'est après que j'imagine qu'il convertit ça. Par contre, le petit souci, c'est que j'ai demandé le champ created at et il n'a pas l'air de m'honorer ça quoi quand même. Hein. Vous voyez la created at, il me l'envoie. Pourtant, il est dans la base. Hein. Il est là. Alors peut-être, on va essayer. Pas trop, hein. Je crois pas trop, mais en même temps, au point où on en est. Ouais, il y a un underscore. Ok. Ouais, c'était peut-être le laïus qui disait sur le. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou pas à ce niveau-là? Je pense que les autres méthodes, elles sont claires, à delete, compagnie, tout ça. Il n'y a pas forcément besoin de faire plus d'explications que ça. Est-ce qu'on n'attaquerait pas la relation recette-ingrédient pour mettre des kiwis dans notre pizza au kiwi et de la tomate et de la pâte? Je réfléchis. En fait, j'aimerais vraiment faire une injection pour pouvoir tester un cas. Après, la question que je me pose, c'est comment tu testes ça du coup? Concrètement. Parce que le souci que j'ai là, c'est que tu te retrouves avec. Si je voulais tester ce contrôleur-là, je suis emmerdé parce que cette méthode recipe create, elle est injectée là. Comment je fais pour injecter quelque chose dans le constructeur plutôt? Alors on va essayer peut-être dans le deeper, à mon avis, il y aura une partie sur les tests. Est-ce qu'il y a de la doc sur les tests? Non, il n'y a pas l'air d'être un. Il n'y a rien sur les tests. Ouais. Injection. On va essayer d'aller sur la doc d'Adonis, l'ancien. En fait, j'aimerais bien implémenter. Alors, c'est une question générale, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mais l'idée, c'est que qu'est-ce qui se passe si, justement, pour éviter de faire ce que j'ai fait là, je me dis, je me créerais bien un pattern repository. C'est-à-dire que j'aurais un repository qui s'appellerait recipe repository qui me permet, ou un recipe service qui me permettrait de dévoiler mes services. Comment ça se passerait? Donc, on va chercher dependency. Ou peut-être, attendez, peut-être c'est des providers. Ok, donc là on nous parle de provider. Et on nous parle de point adonis. Alors, est-ce qu'il y a un dossier provider qui est déjà rempli avec un provider d'exemple, par exemple?
Nope. Ah, il est là. Tu le sens qu'on va être livré à nous-mêmes là? Tu peux regarder du côté de Trappe, il me semble. Trappe? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Il y a juste un article de blog qui explique comment le setup, le test runner. Ok. Petite question, le fait de normaliser des données en retirant les données d'un objet côté API ne pose pas de problème de perf si la BDD retourne énormément de résultats, dans le cas d'un get all par exemple. Alors oui, idéalement. Alors je sais, mais on peut tester d'ailleurs, on peut très bien tester ici. On va voir si, en fait, idéalement, ce qu'on fait là. C'est ce que font beaucoup de frameworks et d'outils, c'est ultra peu performant. Parce qu'effectivement, tu fais plein de requêtes et tu récupères plein de données que finalement tu n'utilises pas et c'est contre-productif. Ça peut être intéressant si tu veux mettre en cache les résultats des requêtes. Comme ça veut dire que peu importe la requête qu'a fait l'utilisateur au niveau des champs que tu veux récupérer, tu récupéreras toujours les mêmes choses. Mais de manière générale, le truc le plus optimisé serait de ne pas faire tes requêtes avec tout. Donc tu poses une très bonne question, on ne l'a pas testé hier effectivement, mais on va regarder si on a la possibilité de préciser les champs dans ce recipe.all. Dans ce recipe.all, on peut lui passer des options. Ok. Ouais, ok. Alors à première vue, on n'a pas des tonnes de trucs. Alors on va repartir dans la partie database, et l'idée, c'est de voir si on peut justement lui demander dans un all de récupérer les choses. Alors on a le query builder, vous dites, ouais mais le query builder on ne peut pas y accéder depuis. Ouais, t'es en mode YOLO quoi. Bah, dans tous les cas, tu vois, le query builder, justement, il permettrait de. Ça c'est quelque chose que tu cacherais dans le. Comment ça s'appelle? Dans le repository justement. Alors toi tu dis que tu peux faire un query directement. Et là on pourrait faire un select. Et on irait sélectionner. Est-ce qu'on a un exemple de select? Est-ce que c'est un tableau de champs ou un truc avec des virgules? Ben, en même temps on a la doc. Hein? Select. Je comprends pas où je suis là. Colonne. Ok, c'est des chaînes de caractères. J'ai du mal à comprendre. Je vais écouter mon instinct. Écoute ton instinct. Et je vais mettre ici un tableau. Et je vais lui dire plusieurs chaînes de caractères. Et on va mettre juste le name. Ou même, on va mettre que le content. Tiens, pour voir s'il pète un câble là. Voilà, il n'est pas capable. Ok. Donc oui, effectivement, tu as totalement raison. La meilleure solution, tu pourrais carrément te passer du serializer du coup et te dire, ben, je vais juste lui injecter les infos dont j'ai besoin, que le name. Et dans ce cas-là, tu maps et tu serialises chaque élément. Et automatiquement, ben, ça va fonctionner convenablement. Après, tu perds en modularité. Mais ce que tu pourrais imaginer, c'est si on trouve un moyen d'injecter ce fameux truc-là, de pouvoir faire un recipe repository. Tu ferais un all et tu lui dirais, bah, tiens, je veux récupérer name. Et au moins, tu as une méthode à peu près propre et qui te permet de gérer à la fois ça pourrait récupérer les données avec le select et en plus serialiser pour t'assurer que tu n'exposes que ça en sortie. Mais ça impliquerait d'être capable de récupérer justement. Désolé, de récupérer le repository. Mais comment on l'injecte, c'est le problème. Le truc, c'est que de ce que je comprends, en fait, tu es toujours bloqué parce que. Alors, si, ça ressemble à, vu que ça ressemble à du Laravel, je pense que c'est la clé est dans le provider. Mais
Il y a marqué register your own truc, mais on t'explique pas vraiment comment faire. Et tout à l'heure, là, quand j'avais cherché le arrobase IOC, on avait vu qu'il y avait des trucs, des déclare modules. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les trucs un peu plus loin. Et on va essayer d'aller sur le GitHub d'Adonis et voir si on peut trouver dans le code source un exemple de ce que eux ont fait. Parce qu'en général, les librairies utilisent leur propre truc. Donc on va aller sur le GitHub, on va dans la partie code, on va dans la partie 5, parce que c'est la partie qu'on utilise, et on va chercher provider. Donc on a ici le app.provider et on a ça. Donc là, par exemple, il enregistre un singleton qui est ce truc-là. OK. Bah, typiquement, nous, notre repository, c'est un singleton. Donc à ce niveau-là, on va aller dans le app provider. Alors d'abord, on va créer ce fameux repository parce que bah, j'ai décidé d'utiliser le repository pattern et une fois que j'ai décidé quelque chose, bah, je vais jusqu'au bout. Donc je vais créer un nouveau fichier et on va l'appeler. Alors, toi, tu m'as envoyé un lien, voyons. Ouais, mais tu vois, c'est le même principe. Donc, ouais, on va aller, si tu veux, on va y aller et on va voir. Donc, je fais un recip repository.ts. À l'intérieur, je vais exporter une classe qui va s'appeler recip repository et je vais avoir une méthode que je vais appeler all qui va permettre de récupérer une liste de champs que l'on veut. Et ce truc-là, ça sera un tableau. Et ça nous renverra une promesse qui nous renverra des recettes sous forme de tableau, comme ça. À l'intérieur, on peut à la volée, et on s'en fout complètement parce qu'on pourra le moquer plus tard, ben faire un return de recip. On utilisera la méthode query et on sélectionnera les champs. Les fields et c'est tout. Ouais, automatiquement ça fait la truc. Ok, maintenant qu'on a ce tableau là, ça va être d'ailleurs un tableau de chaîne de caractères. On devrait être bon. Alors, au niveau de notre app provider, on va enregistrer en faisant un vis.app.container.register ou singleton et on va enregistrer un singleton. Alors le namespace, ben, ça va être app slash repository slash ben, recip repository. Le callback, ben, ça retournera un new recip repository. Alors l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas si c'est un avantage en vrai, c'est que vu que là ça utilise le modèle en modulo, bah, il n'y a pas vraiment besoin d'injecter. Sur du Symfony ou autre, ou sur d'autres trucs, normalement on aurait un constructeur, ou là on aurait le data manager ou quoi que ce soit, mais tout est statique, alors du coup j'imagine que c'est la volée, quoi. Ton repository, tu as oublié de le foutre dans un dossier repository. Très bonne remarque. Alors par contre ça c'est chiant à faire. Il va pas comprendre, on est d'accord. Ah, je n'ai pas détourné le... Ouais, mais non, mais c'est une bonne chose. C'est l'intérêt des lives, c'est chacun peut poser des questions et on explore différents aspects sans forcément explorer. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Ça me détourne pas, c'est l'objectif, c'est ça qui rend le truc cool. Ok, donc maintenant j'ai mon repository qui est foutu là. D'après ce que je vois, hein, c'est ce qu'il fait. Hein. Ok. Donc on voit au passage qu'il a la database, donc on pourrait l'injecter ou faire quoi que ce soit, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, il fait un new, mais... Ah oui, c'est là où il lui passe les choses. Dans le singleton, justement ça. Si je m'écoute, je prends ça. Et dans mon contrôleur, ce qui techniquement solutionne rien du tout à mes problèmes, on est d'accord.
je devrais pouvoir injecter, faire un arrobase IOC de point ça. Et j'imagine que je récupère le récip repository que je peux ensuite utiliser à ce niveau-là. En faisant un await de ça, point. Alors là, il connaîtra rien parce que forcément, ce module, pour lui, c'est complètement flingué, c'est pas possible. Et je lui demanderai de faire un all et de récupérer juste le champ name. J'essaie de réexécuter maintenant ma requête. Alors, déjà, est-ce que ça n'a pas flingué complet là? Là, on a une erreur. Alors, je vais me mettre ça sur un autre écran. Je vais couper et relancer. Alors là, il me dit, j'arrive pas à charger. Si je retire ça, plus de problème, on est d'accord. Ouais, dès que je mets ça, il y a un souci. Si là, je fais ça, hein, je fais un return et je mets un tableau vide, ce qui match ma description, et je supprime ça. Là, ça recompile. Si j'importe récip, ça recompile. Mais dès que je fais ça, ça recompile plus. Est-ce que c'est pas parce que ça a été appelé trop tard? Ouais. Je pense que c'est ça, je l'appelle beaucoup trop. Voilà, là, l'application est prête. C'est à ce moment-là que je vais injecter mon singleton. Non plus. Si je le mets là. Non plus. Fuck. En fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas. Ce singleton, il le charge trop tôt avant même que l'IOC soit dispo pour la partie Adonis Lucid ORM. Donc là, j'essaie de comprendre quand est-ce qu'il fait ce register ORM. Et il le fait dans la partie register. Donc lui, il a déjà fait ici, quoi. En fait, le souci et ce qui fait que ça marche pas, à mon avis, c'est que l'application n'est pas chargée, quoi. Il essaie bien de charger ça, mais. Par contre, ce qu'on peut essayer, en vrai, c'est de retourner un tableau volontairement pété. C'est-à-dire que là, on va faire ça, et on va mettre un return, et on va s'imaginer que ça renvoie une fausse entité complète, et on fera un new recip. On va peut-être le sauvegarder en amont. Const recip. Pourquoi je fais ça? Je veux juste vérifier si mon intuition sur l'injection de dépendance fonctionne convenablement ou pas. Et ensuite, je fais un recip.name et on mettra lol. Et après, je return donc un tableau qui contient ma recette. Je sauvegarde. Donc là, il râle toujours à cause de ça là-haut, j'ai l'impression. Donc je re-sauvegarde. Là, ça fonctionne correctement. Ouais, il va toujours râler dans tous les cas. Attendez. On va enlever ce typage. Voilà, comme ça, ouais. Ok. Donc là, il n'y a plus de problème. Ça arrive à compiler convenablement. J'essaie de refaire ma requête en HTTP. Donc j'essaie de reprendre cette requête-là et je la réexécute. Et je vois bien que j'ai name lol. Ce qui veut dire que, en fait, c'est une porte un peu magique, là, que l'on a dans les contrôleurs. Ils font appel à l'IOC. Donc en fait, quand on fait ça, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est un HTTP contexte qu'il a enregistré lui-même. Le vrai souci, globalement, c'est que dans mon cas à moi, j'ai besoin de l'ORM en fait. Et ça marche, voilà, ça marche partiellement, mais c'est comme ça que marche le système. En fait, j'aimerais bien lui dire, il faut que tu charges d'abord le reste, quoi.
Bon, on va pas persister plus sur ça parce que sinon on va perdre du temps, effectivement. On a bien le need application à true. Je vois rien de particulier dans l'app provider qui ferait que ça ne fonctionne pas. Peut-être si on fait ça. Non. On a essayé de le foutre dans le boot, on a essayé de le foutre dans le ready, on a essayé de le foutre partout, hein. On est d'accord. Mais dans tous les cas, ça ne résoudra pas non plus le problème que l'on avait, qui était de se dire comment tu moques ça après. Là, tu as utilisé un IOC, mais c'est injecté vraiment de manière générale. C'est ça que je trouve vraiment bizarre. On n'a pas une sorte de constructeur qui vient injecter les choses, quoi. Donc, est-ce que ça rendrait le truc moquable ou il faudrait carrément. Expliquer comment construire le contrôleur et aller lui mettre dans le constructeur leur repository manuellement. Est-ce que dans la partie. Peut-être, attendez. Est-ce que dans la partie container, on peut lui préciser. Dans la partie singleton, plutôt, on peut lui préciser les dépendances que l'on a. Singleton prend en premier paramètre le namespace, le callback. Et vice. Nope. Ok, tu peux faire un fake dans le. Ouais, le with binding, s'il te permet en fait de charger un truc en mettant. Moi, je comprends rien, c'est de la recherche brute force. Non, non, mais. Non, ça marchera clairement pas. Ça marchera clairement pas. Il faudrait chercher un peu plus en profondeur à ce niveau-là ce qui peut se passer. C'est bizarre, on en a vu que ce provider-là. Pourquoi? Comment on s'est retrouvé sur Lucid là? On n'était pas sur Core tout à l'heure? De toute façon, on n'a que deux providers en vrai. Ah, c'est quand j'ai dû faire un contrôle-clic. Si on fait un bind plutôt qu'un singleton. Moi j'aurais vraiment mis là en vrai. Ils font vis.app.bind. Mais vis.app ça n'existe pas en vrai. Ce contract là il a quoi? À première vue, franchement, je vois rien de. Je vois rien qui m'indiquerait que j'ai une autre solution. Point. J'ai alias, call, clear. Bon, il manque un peu des infos à ce niveau-là. Mais c'est ce qu'on disait hier. Mais concrètement, ça ressemble beaucoup au système de provider de Laravel. C'était le système de service provider qui permet en fait d'enregistrer les choses. Contrairement, alors sur Symfony. Sur Symfony, on utilise les services.yaml. Là, sur Nest, on l'a vu hier, on utilise le @injectable et on précise dans les modules les services qui sont injectables. Et ben là, je pense que ça va être un peu le même système que Laravel. On va pouvoir déclarer des services sous forme de singleton ou autre. Et après, ben, tu pourras les importer à ce niveau-là. Le problème qu'ils vont devoir résoudre et qui ne va pas être évident du tout, c'est comment tu importes les typages. Comment tu fais en sorte que. TypeScript comprenne que le receipt repository, ça va être une instance de ça. Là, il y a tout un travail à faire et à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Bon, nous, dans notre cas, on va faire un truc, même si c'est pas du tout ce qu'on veut faire, on va la mettre en statique, la méthode. Voilà, c'est contre-productif ce qu'on va faire là, mais c'est juste pour faire passer ce truc-là et pouvoir avancer sur le reste. Voilà, pour pas rester bloqué ici. Donc ça, on va l'importer. Voilà, et on va faire ça. Là, en écrivant ça, on arrive à faire courir, enfin, on arrive à faire fonctionner le code. Le principal problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas du tout résolu le problème de dépendance en faisant ça, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre.
Ok, donc maintenant on va essayer d'associer des ingrédients à nos recettes. Donc on va devoir refaire tout le cheminement que l'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire commencer par créer un modèle, donc en faisant un node ace make de point modèle, et on va l'appeler ingrédient. Et on va rajouter tiret -m, histoire de créer les migrations. Donc dans la partie ingrédient, on va créer un ID, on s'en fout des dates de création, et on aimerait bien associer ça à une recette sous forme d'une many to many, du coup, parce qu'un ingrédient peut avoir plusieurs recettes. Donc on va retourner sur la partie database et on va regarder les many to many. Et la question c'est est-ce qu'on peut mettre notre fameux champ que l'on voulait? Le with-binding n'est pas bon. Non, le with-binding te permet de récupérer des éléments qui viennent de l'IOC et de pouvoir ensuite construire un nouvel objet avec ces éléments-là. Et nous, c'est pas ça qu'on veut vraiment, vu qu'on notre. Enfin, on aurait pu faire ça, mais le problème, c'est qu'on a besoin d'injecter un modèle qui contient le truc. C'est un peu compliqué. Techniquement, je pense que tu peux si tu injectes database en vrai. Alors là, je suis en train de regarder, est-ce qu'on a donc la possibilité, il y a beaucoup d'infos, hein, de créer un champ supplémentaire. Et à première vue, non. Par contre, je sais que. Ah, en fait, c'est quand j'ai un. Ouais, vu que je travaille en dark, c'est vrai que ça n'allume pas trop l'écran. J'ai sur mon dépôt à moi. Il y a une recherche sur. Juste là. Ok. Il avait fait un truc. Je vais tricher un petit peu. Et c'est juste pour voir si c'est quelque chose que je peux trouver ou pas, en fait. Et dans la partie API, on avait mis en place donc un modèle ingrédient. C'est ça là. Ça, est-ce que on pouvait le trouver ou pas? Non, non, la question c'est, ça sert à rien que moi j'essaie de chercher un truc si ça n'existe pas en fait. Ouais, donc c'était là. Je sais, je l'aurais loupé, mais c'était là. You can specify pivot colon on the relationship as well as per the following example. C'est pas clair, hein. Ok, bon, on va faire notre many to many. Donc pour créer une many to many, on fait arrobase many to many et on précise à quelle relation on va avoir on va faire référence, ok. Donc là, je crée une many to many, ça je vais l'importer. Je vais importer donc des recettes et je précise que c'est une many to many qui permet d'importer des recettes. Et là, on va mettre receipts avec un S. Côté recette, on va pouvoir avoir des ingrédients. Donc à ce niveau-là, on va aussi avoir une many to many, sauf qu'on va importer des ingrédients. Et là, ça sera une many to many d'ingrédients et on l'appellera ingrédient avec un S. À ce niveau-là, on va créer une nouvelle propriété publique qui sera le nom de l'ingrédient et ça sera un nombre. Et on utilisera une colonne directement. Maintenant qu'on a fait ça, il faut créer les migrations. Donc c'est ce que je disais, c'est le truc un peu chiant en vrai. Donc, les migrations, c'est ingrédient.ts. Et on va lui dire ici, j'aimerais bien créer une chaîne de caractères qui s'appellerait name. Et je n'ai pas des timestamps. Voilà. Par contre, comment je crée une pivotable? Il y a l'explication sur la. Ouais, c'est là que j'aimerais bien avoir le. Ouais, explique-moi, mais comment je crée ma pivot table, moi? Table.pivote? Non? Tu dois te démerder tout seul, comment tu fais? Ah, c'est relou. Est-ce qu'on ne tricherait pas? Non, c'est pas cool de tricher. By default, the pivot table name is a snake case or something. Oui, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord, hein.
Mais est-ce que tu peux m'expliquer comment migrer? Non. Bon. Alors peut-être il faut aller carrément dans la partie. Il y a peut-être une doc sur les migrations. Mais si tu m'expliques pas comment créer une pivotable, moi je peux pas, hein. Alors ça pour le coup c'est quelque chose que j'aime pas du tout aussi dans Laravel. C'est le même problème. C'est que quand tu dois faire les migrations, tu es un petit peu livré à toi-même. Et quand tu dois faire des migrations sur des relations de type many to many, c'est un peu compliqué. Et là en l'occurrence, je n'ai aucune foutre idée de comment migrer ça. Si ce n'est d'y aller en mode YOLO comme ça, d'aller créer une nouvelle table que l'on va appeler... Comment ils nous ont dit de l'appeler? C'est caca plus plus quoi. Eh vas-y donc. Skill user ST. Alors comment elle est nommée? When to use many to many. Ok, let's imagine. Est-ce qu'ils expliquent le nom de la table en fait? By default, pivotable name is the snake case representation of the parent model and the related model. Sorted before joining them together. Ok. Donc nous c'est ingrédients et recettes. Le i arrive avant le r, ça sera ingredients. Est-ce que c'est au pluriel? Non, ça sera ingrédiente. En plus, c'est con. Ok. Bah, ça, il met au pluriel par contre. Ça n'a pas de sens. Ok, non, c'est ingrédient underscore recipes avec un S. Donc, on va créer un champ qui va être une clé étrangère. Est-ce que tu dois lui préciser un type? C'est pas clair. Colonne. Dans le screenshot au-dessus, c'était au singulier. Ouais, mais je regarde ça en fait. Mais dans ça, c'est au singulier. Ouais, non, non, t'as raison. C'est moi qui me fais induire en erreur. Donc là, on va avoir un champ qui sera un nombre. Un integer, du coup. Ouais. En fait, je sais pas si tu dois lui préciser. Il n'y a aucune information sur les clés étrangères, hein. Foreign. Ah, c'est démerde-toi quoi. À première vue, tu préfères. Ah, je finis la découverte et après, si tu veux, je ferai ce que j'en pense de l'un et de l'autre. Je veux finir quand même ça parce que ça va aussi déterminer mon choix. Enfin, mon ressenti, on va dire plutôt. Là, ben, je suis un peu emmerdé parce que globalement, il me donne peu d'informations sur comment gérer ça. Donc on va y aller, on va y aller au feeling. Donc on va avoir un champ recipID. Ce champ-là, on veut que ça soit une clé étrangère qui s'appelle recipID du coup. Ce qui m'étonne, c'est vraiment ça, c'est le fait que est-ce que ah fuck. Colonne foreign key name. Ouais, mais en fait, comment tu sais que c'est relié? Tu vois, je comprends pas comment il foreign. Comment il sait que c'est relié à la table recette? À quel moment je lui précise? Ça utilise Knex? Sinon, ce que je pourrais faire en vrai aussi. Ouais, par contre, on va aller sur Google, je pense, pour ça. C'est trop précis. J'accepte pas les cookies, non? Non, je veux pas. Je veux pas. Non, je veux pas. Ok, t'as bien tout désactivé. Confirmé. Mais enfin, je crois que je vais n'importe où là. Point référence.
Ok, j'ai compris. Ça, c'est le nom de la clé étrangère, mais je pense qu'on n'est pas obligé de la mettre, c'est ça? Non, on n'est pas obligé de la mettre. Voilà. Et après, on a ingredient ID qui référence l'ID sur la table ingrédient avec un S. Et ça, on doit avoir un onDelete. Je veux que tu cascades. On n'a pas d'autocomplétion sur le. Et après, c'est tout. Et on va faire la même chose à ce niveau-là. À ce point-là, j'aurais cherché. Ouais, ou carrément, tu le fais à la main, quoi. Et là, ça sera ingredient ID. Et ça sera note nullable. C'est important que ça soit note nullable, sinon tu peux pas avoir une relation convenable. Et c'est tout. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on a notre table. Par contre, sur cette table-là, c'est là où j'étais relou, moi. C'est que je voulais avoir un entier pour préciser la quantité de l'ingrédient. Et en vrai, sur ça, là aussi, je voulais avoir l'unité. Est-ce que c'était des kilos, des parts, des tomates, ou voilà, n'importe quoi. Je pense qu'on est correct. Je vais juste modifier mon modèle ingrédient. Il faudrait que je mette un écran blanc, en fait, ici. White. Est-ce que ça peut faire un petit peu effet... J'essaie d'utiliser mon navigateur comme light. Ça, on va supprimer, vas-y. Ok, et là, on va mettre background white. Est-ce qu'on me voit mieux comme ça? Ça marche en vrai, regardez. Faut juste que je mette un navigateur tout blanc de l'autre côté aussi. Pire quoi. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que ça marche en vrai? Hop, delete, background, white. Et voilà, je suis éclairé des deux côtés. Système D du streamer, le pire quoi. Obligé d'acheter trois écrans pour avoir juste des lumières. C'est ça du ghetto, on est d'accord. Maintenant qu'on est en une... Là, c'est Unity plutôt que Unity, quoi. Pff, le mec, il croit qu'il est en train de développer un moteur de jeu, quoi. Là, on va avoir une chaîne de caractères qui sera donc. Ça ne sera pas un nom, ça sera une chaîne de caractères. Et ensuite, on aura ici l'unité qui sera une chaîne de caractères aussi. Voilà. Hop, on vide les imports qui ne servent à rien. Je valide une dernière fois mon truc. Et on est parti. Donc, on fait un node. Fais attention à tes yeux quand même. Ils sont toujours, de toute façon, ils sont pourris mes yeux. Donc, on n'est plus à ça près. Comment on migre? Je ne sais déjà plus. Voilà, je migre. Ce qui devait arriver arriva. Il y a une erreur. Alter table, ingredient recipe, add constraint. Foreign key constraint is incorrectly formatted. Je suppose que là, on est. Oh, voilà, là, on va être dans la pire situation, c'est ça? C'est-à-dire qu'il a fait à moitié la migration. Bon, il a merdé juste sur le onDelete cascade. Je ne sais pas ce qu'il attendait là. onDelete, il attendait une commande. Est-ce qu'il attendait qu'on fasse ça en fait? Qui est pas très productif, mais ça rentre pas dans une transaction. Non, j'ai le même problème sur Symfony et j'ai le même problème sur comment ça s'appelle sur Laravel. En fait, c'est censé tourner dans une transaction, mais sous certaines situations et notamment dans ce cas-là, ça merde complet et tu te retrouves dans une situation où en fait il a fait la moitié de la migration, mais pas tout. C'est pour ça que mieux vaut faire juste une requête par migration. Là, on va supprimer ça du coup. Et on va la relancer. Mais par contre, on ne pourra pas la relancer parce qu'elle est déjà là, non? Ouais, non, elle n'a pas été sauvegardée. On la relance. Bon, vous savez quoi? Fuck, il veut pas, il veut pas. Hein. Mais normalement, c'est bon, hein, on delete cascade, sauf si je l'ai pas mis au bon endroit.
Mais dans tous les cas, on continue. Donc maintenant, on aimerait bien associer des ingrédients à nos recettes. Donc on va créer des ingrédients. Donc je réactualise cette partie-là. Je vais aller les faire dans la base de données parce que refaire un CRUD, ça n'a aucun intérêt. On va faire des tomates et ça va être en kilo. Et on va créer, qu'est-ce que vous voulez en plus? Oui, on avait des kiwis, ça sera aussi en kilo. On a besoin de quoi? On a besoin de pâte à pizza. Pâte à pizza. Et ça sera en kilo. Voilà. Maintenant, je me dis que on va le faire aussi en base de données. Je vais associer mes recettes à un ingrédient. Donc, par exemple, là, on va aller dans ingrédients récipes et on va se dire d'après toi, ça vaut le PHP a encore beaucoup d'années devant lui où il risque de se faire détrôner par le JS. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas une course, les langages de programmation. Il n'y a pas un langage de programmation qui est là pour changer et remplacer un autre. C'est juste que les problématiques que l'on a en développement évoluent avec le temps. Et vu qu'elles évoluent, ben, y a de nouveaux langages qui émergent pour répondre à ces nouvelles problématiques. Mais ça ne rend pas les problématiques qui étaient résolues par le langage que tu pouvais utiliser avant inutiles, en fait. Il y a quelques langages qui sont morts, mais je ne pense pas qu'il n'y en a pas des tonnes, quoi. Donc non, le PHP, oui, il continuera à avoir des belles années devant lui parce qu'il a quand même un écosystème qui est bien, bien, bien imposé. Et en plus de ça, il continue à s'améliorer jour en jour. Et la communauté, elle est bien là. Alors, il n'y a pas la hype, c'est-à-dire que tu n'en entends pas parler forcément tout le temps. Mais c'est un langage qui n'est pas forcément voué à mourir et pas voué non plus à être remplacé. Voilà. Donc, tu peux t'y mettre si ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, ben, mieux vaut… tu peux aller sur du JS. Ça fonctionne très, très bien. Il faut que tu testes et vois, fais-toi ta propre opinion. C'est toujours le conseil que je peux donner à ce niveau-là. C'est de tester les trucs et de voir un petit peu. Est-ce que PHP est case sensitive? À quel niveau? Au niveau des noms des fonctions, il me semble que non. Mais je peux me tromper. Et après, je crois qu'il y a aussi sur la recherche des fichiers, ça va dépendre si tu es sur Windows ou Linux. Maintenant, je sauvegarde et l'idée, ça serait de récupérer les ingrédients qui sont associés à ma recette. Est-ce que tu comptes au cours de cette année faire un tutoriel sur Electron.js? J'ai déjà fait une vidéo, mais j'exclus pas d'en refaire une. C'est juste que j'ai pas d'idée d'application qui serait intéressante à faire en Electron.js. D'application qui pourrait être expliquée en moins d'une heure, quoi. Alors, maintenant qu'on a ça, on va essayer de normaliser les choses correctement. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir afficher l'ensemble des ingrédients que l'on a. Donc, par défaut, on va voir ce qui se passe si on retire la partie sérialisation. Donc, si je reviens dans ma partie show, donc on va aller dans mon receipt controller. Et dans ce receipt controller, on n'avait pas fait la fonction show ici. On va récupérer les paramètres. Et dans les paramètres, ce qui va nous intéresser, c'est l'ID. Donc là, on lui demandera de refaire un return de recipe.find et on trouvera la recette qui correspondra au paramètre. Ah, donc c'est directement comme ça. ID. J'essaie de contacter ce point d'entrée-là. Je me demande si je peux le faire au niveau de mon navigateur. Si je fais slash recipes slash un. Ça marche. Clairement, ça marche pas bien, mais ça marche. Si je fais juste receipts, ouais, il va planter aussi quand même, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. En fait, là, il est en train de me dire qu'il n'arrive pas à trouver la relation, donc il n'arrive pas à trouver les informations. Donc, on va retourner dans notre partie ingrédients et receipts et on va voir si on a bien fait les choses. Donc, on a une many-to-many. À première vue, je l'ai bien importé, hein. Kilo de tomates, 10 kilos de kiwi. Désolé, oui, non, je l'ai fait à l'arrache. Je n'ai pas fait une recette exacte. Ne la suivez pas. Je ne suis pas responsable des cuisines qui explosent si vous suivez mes trucs, quoi. Ah, le many to many n'est pas bien importé. Il est là. Ben, je vais re-regarder. Hein. Je vais aller sur la doc. De toute façon, on ne t'explique pas trop d'où il vient. Alors, E, IOC, lookup fail, cannot resolve Adonis, Lucid Relations. C'est ça qui n'arrive pas à importer. Donc on va
essayer de le réimporter. Mais lui, il a l'air de vouloir l'importer de là, hein. Alors, est-ce qu'on a un node ace, genre debug de... Est-ce qu'on peut voir l'IOC, voir ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Alors du coup, est-ce qu'on a une explication sur comment on importe les trucs? Là, celui qui lui pose problème, c'est pas celui-là. Oui. Ah, ok. C'est mon éditeur qui m'a induit en erreur. Voilà, je sauvegarde et je réactualise. Cannot read property find of undefined. Donc on va dans notre receipts contrôleur. Bah, t'es un peu con ou quoi? Cannot read property find of undefined. Qu'est-ce que tu fais là? Mais n'importe quoi. Alors on va faire un console.log de params.id pour déjà voir si on récupère bien l'ID dans l'URL. Parce qu'il y a une chance sur deux que ça soit pas le cas en fait. Et ce n'est pas le cas. Donc la question c'est comment tu récupères l'info? Donc on va débugger params. Point. Mais non, en même temps, c'était pas. On va faire request et je vais faire un console.log. Non, non, c'est moi qui suis aux fraises. Request.all. Je réactualise la page. Ah non, ça plante vraiment en vrai. Là, je vais commenter ça et mettre un return hello. Je réactualise. Ah. Ah, il doit charger un ingrédient qui doit avoir le même problème en fait. Autant pour moi. Je sauvegarde, je réactualise. Donc là, j'ai aucun paramètre. Ok. Si je console.log params, params, et si je fais to string, on sait jamais. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le paramètre. Ok. C'est un objet. Ok. Qui contient l'ID. Ok. Non, c'est bon. Autant pour moi. Donc je réactualise la page et là j'ai ça. J'ai une pizza qui a comme nom kiwi et c'est tout. Donc moi mon idée ça serait d'être capable de sérialiser les éléments liés. Si par exemple je lui dis je wait ça et j'aimerais bien que tu récupères les ingredients. Si je réactualise, ben ça ne me donne rien. Comme s'il ne trouvait pas les ingrédients associés. Alors que la recette, c'est la recette numéro 1 et on a bien cette table-là. Ok, bon, peut-être il... Et si je lui demande, tiens, chope le 0 là. Probabilité que ça marche, 0%. Cannot read property, cannot read. Undefined. C'est comme s'il ne trouvait pas les ingrédients, quoi. Là là, on est bien. On est bien. Il n'y a rien qui fonctionne. Là, on commence à atteindre la phase où ça ne marche pas, quoi. Ce qui est ouf, c'est qu'il ne me donne pas trop d'indices sur la raison qui fait que ça ne marche pas. J'ai bien mis les noms correctement. Preloading. Il les charge pas à chaud. The preloading API for many to similar to the overall relation. However, the value of the pivot table are prefixed and moved to the extra object. Ouais, mais du coup, je fais pas une query, moi. Est-ce que tu peux preload un... ouais, bon, on va faire quand même une query, histoire de truc, mais... Ah, c'est relou. Attendez 2 secondes.
pourquoi tu n'arrêtes pas de me demander? Il veut traduire les pages. Chrome, c'est un truc de fou, quoi. Il fait, je veux traduire, je veux traduire. Je suis là, je suis là, je suis là. Passe-moi la balle, passe-moi la balle. Preload, c'est juste si tu as des datas dans la table pivot. Ouais, mais moi, je ne sais pas vraiment ça le problème là. Le problème, c'est qu'un gradient ne devrait pas être un tableau. Enfin, on va console.log ça en fait. C'est moi peut-être qui comprends pas bien les choses. La probabilité que ce soit ça, elle est quand même importante. Ok. Je réactualise la page et ça me donne undefined. En fait, le truc, c'est que ça ne devrait même pas donner undefined pour moi. C'est que si tu connais pas, ça devrait me donner un tableau. Ouais, à la limite, je peux faire ça, je pense. En fait, il faudrait que ça donne un tableau vide par défaut, quoi. On va essayer ta méthode du preload parce que perdu pour perdu, autant essayer ton truc. Donc là, on va pas faire ça. On va faire un await. On va utiliser recip. On va faire un petit query. On va lui demander de préloader la relation. Alors, comment ça marche, préload? Le nom de la relation, c'est ingredients. Bah, je mets pas de callback, je m'en fous. C'est pas nécessaire, on est d'accord. Je lui dis where. Et je lui demande que le champ ID corresponde à params.id. Et ensuite, bah, je récupère tous les résultats. Donc ça sera un first or fail si jamais on a rien. Je finis le live à 21h. En fait, je me donne 2h30 pour tester l'outil. Je réactualise. Ah, alors là, on a les résultats et on voit qu'on a les informations qui sont associées avec le nom, l'unité. Le weave permet de faire une sous-query, je crois. C'est pas vraiment une. C'est super basique au final. Ouais, il faut toujours utiliser le query builder au final. Ouais, mais c'est ça que j'aimerais bien avoir dans un repository du coup, et ça pose la question de comment t'injectes le repository. Après, tu peux toujours faire tes méthodes en statique comme un gros bourrin dans cette classe-là, mais ce serait pas forcément l'idéal, je pense. Il faudra voir ce qu'en pensera Romain quand il regardera la vidéo. Alors, j'aimerais bien avoir la quantité. À ce niveau-là. Donc la quantité, on pourrait l'avoir au niveau de la. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en fait. On peut avoir l'ingrédient. On peut rajouter un champ en disant que c'est une propriété qui est computed, qui est déterminée par un autre truc. Donc ça veut dire qu'il va pas le chercher à mon avis dans la base de données. Nous, ça serait quantity. On ferait vis.extra.quantity du coup. Et comment il sait que c'est sur cette table-là? Je capte pas là. On va voir, hein, on va réactualiser la page. On n'a pas la quantité. En même temps. On va faire un console.log de vis.extra. Voir si ça on le sort ou pas. Est-ce qu'il part dans le quantity? Alors je vois dans pivot que j'ai des objets, mais j'ai pas la partie quantité. Alors on va re revenir dans la partie pivot de table et on va field. Je sais plus c'était quoi le truc que je cherchais. Additionnel field pivot. Ah, tout à l'heure on était dessus, je l'avais trouvé. Merde. By default, only the foreign key are selected. Ah. Ouais, ben sélectionne-moi quantity si tu peux. J'actualise.
Ok, et là j'ai un truc qui s'appelle pivot underscore quantity. Du coup. Alors ça par contre, tu vois, c'est un très bon point. Parce que moi, c'est souvent le truc qui est chiant. Tu es obligé de faire des 2 minutes ou 1. Et là, le fait de pouvoir taper la quantité à la volée, ça me séduit bien ça. Ça, j'aimerais bien qu'on l'ait sur. Alexandre m'a dit que ce soit. Salut Lior d'ailleurs. Désolé, je lis directement ta question sans te dire salut. M'a dit que ce soir tu t'attaques à Adonis. Exactement, je teste Adonis pour faire un petit CRUD avec des relations many to many. C'est les pires relations à gérer dans les ORM. J'aime bien tester ça parce que tu vois vite les limitations, notamment sur Doctrine. Et là, j'essaie de récupérer un champ sur la table de liaison. Et ça fonctionne pas mal. Bah, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne pas mal en vrai. Donc là, on est bon sur ça. Dis-moi que ça a un intérêt. J'ai pas vu l'intérêt de quoi? De Adonis? Ou des tables de liaison? Des pivotables? Après, le problème, c'est que tu fais déjà le meilleur langage du monde. Tu fais du PHP, donc rien ne pourra te séduire plus que ça. C'est le problème. C'est que nous, la hype de Node.js, on est insensible, quoi. C'est ça le vrai problème. Non, j'adore le TypeScript. Ah. Ah, je sais pas, mais moi, le problème, c'est que j'aime bien le TypeScript, mais pour le back-end, je préfère PHP. C'est le problème, c'est que j'ai du mal avec le back-end en Node.js. Après, c'est peut-être. Si t'es comme moi, du coup, t'es hermétique un peu à ça, quoi. Je suis passé du côté Java de la force. Ah, il te manque le script et t'es bon quoi. Et genre c'est tellement ressemblant que j'ai fait moi. Ben, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu connais la Ravel, tu fais OK, bon ben je fais ça, 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 et hop, tu t'es opérationnel. Mais du coup, oui, si tu te dis, bon ben. Y a. Bon, attendez, juste. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors là, j'ai essayé de repartir. Je veux repartir sur le groupe de sérialisation. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne et est-ce qu'on peut sérialiser en profondeur? Qu'est-ce qui te dérange le plus avec le JS pour le back-end? Mais moi, c'est juste cette impression de non-stabilité, en fait. J'ai l'impression que je suis sur un tapis qui va super vite et j'essaie de courir pour essayer de le rattraper, en fait. Et l'autre souci, c'est que les callbacks, c'est vraiment sympa, mais souvent, tu te retrouves avec des erreurs qui sont imbitables et c'est pas pratique. Et après, c'est le fait que ben, finalement, par rapport à ce que je connais en PHP, PHP solutionne mes problématiques. Donc, je me dis pourquoi aller essayer de galérer sur un nouvel écosystème? Après, je l'apprends personnellement parce que quand je travaille pour moi, je choisis ce sur quoi je veux travailler. Mais il y a aussi des fois où je travaille dans des équipes. Typiquement, récemment, j'ai dû travailler avec du Nest. Et peut-être plus tard, je me dis, je vais peut-être intégrer des équipes où on va utiliser du Node.js, ils vont peut-être utiliser du Adonis. Donc, c'est important d'étendre un petit peu ses compétences. Donc, voilà, c'est plus par pure curiosité, quoi. Là où j'ai arrêté, pour tout te dire, c'est quand j'ai commencé à vouloir écrire des tests, pas de solution intégrée. Ouais, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Sur la doc, on a regardé, il n'y a rien qui les mentionne. En fait, je me posais la question, tu vois, j'étais en train de me demander comment on faisait un système de repository pour pouvoir l'injecter dans les contrôleurs, pour pouvoir ensuite les moquer. Mais on n'a pas réussi. Est-ce que le fait que Adonis soit sous Node, ça a un avantage par rapport à Symfony Laravel? Oui, un gros. Mais très particulier en fait. Par exemple, chez Quant, on n'utilise pas Adonis. Le pire, on n'utilise pas Adonis, mais on utilise React pour le front. Et du coup, on a voulu faire du rendu côté serveur, mais sans utiliser Next. Et dans ce cas-là, le problème, c'est que si tu fais ça en PHP, tu es bloqué en fait. Donc, c'est intéressant parce que tu peux utiliser une partie de l'écosystème Node.js et des fois tu as des besoins spécifiques. Et dans ce cas-là, c'était intéressant pour ça. Pour la scalabilité, franchement, ben, ça fonctionne plutôt bien, vraiment, en vrai. Le souci de PHP, c'est que tu vas devoir assez rapidement quand même savoir comment scaler tes process SPM. Mais ça scale très bien un hein, PHP, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais. J'ai pas fait un comparatif vraiment à ce niveau-là, quoi.
Je ne sais pas si en fait chez Quant ils auraient pu s'en sortir avec PHP ou pas. La raison qui nous avait poussé, qui les a poussés plutôt à utiliser Node.js, bah, c'était vraiment cette idée-là que ben, on utilise React pour le rendu. Et après, il y a le côté tu partages aussi. Tu vois, eux, ils travaillent avec Nest pour le back-end. S'ils travaillent avec Nest avec le back-end, bah, tu as les fichiers de définition de TypeScript que toi, tu peux utiliser pour ton front-end. Et ça, c'est quand même vraiment pratique. Le fait que tu peux partager des infos entre le back et le front, ça, c'est vraiment cool. Mais ce n'est pas en soi des avantages technologiques, je dirais. C'est plus des avantages en termes de confort. Ouais, voilà, c'est TypeScript qui est vraiment séduisant. C'est pas forcément spécifiquement le framework. C'est le côté je code avec un seul langage. Même si tu as des emmerdes parce que TypeScript, faut le compiler, tout ça, c'est quand même un enfer. Mais là, je vais aller dans mon serializer. Mais après, tu réalises, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux gens qui posent les questions. Tu réalises assez vite que ce qui est important en ton développement, c'est pas de maîtriser forcément un outil, c'est de comprendre un peu les fonctionnements. Et tu réalises assez rapidement que quelqu'un qui est bon en Symfony ou en Laravel, il est capable très rapidement de passer sur un autre framework une fois qu'il a acquis les points de logique. Parce que tu vas retrouver toujours les mêmes choses, quoi. Bon, après, tu galères un peu sur l'écosystème, ça c'est indéniable, mais. Donc là, j'aimerais bien avoir le serializer. Bah justement, j'ai un bac Laravel et un front view et je suis vachement emmerdé de ne pas avoir l'autocomplétion pour mes. Ouais, bah c'est ça. Après, si tu utilises, tu vois, OpenAPI, moi je l'ai fait hein, pour un projet, tu utilises OpenAPI, tu peux générer, tu fais OpenAPI to TypeScript. On va aller. Hop. Et normalement, tu dois trouver des trucs qui permettent de générer, en fait, depuis OpenAPI, des fichiers de définition de TypeScript et tu peux les synchroniser automatiquement. Bon, ça implique que tu as quand même une certaine rigueur au niveau d'OpenAPI. Tu évites d'avoir des schémas qui ont des noms qui sont complètement insensés, mais ça te permet déjà d'avoir une communication, quoi. Du coup, ton repo, tu arrives à l'injecter via un provider? Ben non, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire, justement. Mais Romain va regarder le live, donc sûrement il nous dira comment faire et il nous dira: Ah, mais putain, vous êtes cons, c'était comme ça et tout. Faut connaître les patterns, c'est ça pour moi la clé. C'est vraiment connaître les patterns et c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre des frameworks parce que les frameworks te font découvrir des patterns que tu n'aurais pas forcément vite fait. Montre vite fait. Quoi, la partie OpenAPI to TypeScript ou la partie repository vers. Je vais y arriver. Ah, mon provider? Ben moi j'ai fait ça, j'ai fait un app provider et on avait, je sais pas si on pourra reculer, j'avais fait ça, hein, j'avais fait un vis.app.container. Là d'ailleurs il autocomplète plus, c'est génial. Et j'avais utilisé ce recipe repository et j'initialisais ce recipe repository qui faisait appel à une recette et qui faisait ça. Bon, c'est pas ouf là parce que c'est l'équivalent d'une méthode statique. Le problème c'est que quand je fais ça, hop, je sors la fenêtre volante, j'ai cette erreur là, il me dit. Hop là. Il me dit qu'il n'arrive pas à importer ça depuis ça. Et ma théorie, c'est que en fait, il charge ce container-là. Ah non, c'était ça. J'avais fait singleton. Voilà. Donc, il me sort toujours cette erreur-là. Et ma théorie, c'est qu'en fait, ce container-là est chargé après l'autre. En même temps, je n'ai pas regardé si dans les kernels, on n'avait pas. Ouais, en fait, il faudrait que je regarde qu'est-ce qui charge cet app provider et je me demande si cet app provider n'est pas chargé après l'application, en fait. Avant l'application, ce qui fait qu'il n'a pas accès à l'ORM à ce moment-là. Voilà le cœur de mon problème et donc pour l'instant, on a choisi de ne pas le faire. Depuis que j'ai fait ta formation sur les patterns PHP, je comprends tellement mieux le fonctionnement. Ouais, en plus, il en reste pas mal à faire, quoi. D'ailleurs, Lior, tant que tu es là, si tu es encore là, tu as continué ton exploration du clean code et tout ça, ou tu. Est-ce que tu as réussi à le mettre en œuvre dans des projets? Je suis très curieux à ce niveau-là. J'ai vu que tu étais dessus à un moment donné, vraiment dessus. Tous les jours. Ok. Tu as plus persisté que moi, en fait. Et je me demande si ça vaut le coup de persister ou pas, quoi. Parce qu'en fait, j'ai le feeling que c'est pas clean pour moi quand je le relis le code.
Ah, ça fait longtemps que. Ah, tu fais que de la formation? Tu fais que de la formation. Ouais, c'est un peu le problème. Moi, c'est pour ça que je voulais pas faire que de la formation, parce qu'au final, tu perds un peu, tu te détaches du réel. C'est pour ça que j'aime bien alterner des missions qui me permettent de rétablir un peu mes connaissances et. Ouais, ok. C'est le même questionnement que je m'étais posé à un moment donné, quand je m'étais dit je passe full sur graphic card et je me suis dit bon c'est trop pénible parce qu'en fait tu commences à faire que des exemples théoriques et c'est pas forcément réaliste en fait. Mais vu qu'il faut apprendre tellement de choses aussi, t'as besoin d'être quasiment à temps plein dessus en vrai. Quand tu veux explorer des trucs comme ouais, effectivement le clean code, tu passes tellement des semaines. Hein. Et puis c'est pas les trucs que t'as envie de tester sur un projet pro quoi, parce qu'après c'est l'enfer. Alors là, je m'éloigne juste du sujet, mais l'idée c'est de sérialiser et de voir si on peut, dans notre sérialisation, gérer la partie relation. All the preloaded relationship by invoking the same method on the related model, considering the following examples. Customizing relationship. En fait, la question c'est est-ce que tu peux choisir. Lorsque tu sérialises, comment tu vas sérialiser les enfants? Parce que là, de ce que je comprends, donc il appelle en chaîne les informations. D'ailleurs, là, est-ce qu'on a. Attendez, je regarde juste si dans le réseau, on nous répond avec une entête de type JSON. Content type application JSON. Donc, est-ce qu'on s'installerait pas une petite extension en vrai pour gérer le JSON? On va aller sur le Web Store. Laquelle vous conseillez, vous, des deux, là? Il y a JSON Viewer, JSON Formateur. JSON Viewer, ok. 100%. Oh, punaise. Là, les gens, ils sont tous d'accord, au moins. Ok. Donc là, j'aimerais bien qu'ils ne sortent pas. Ouais, ben là, en vrai, on s'en fout, hein. Mais si jamais je voulais limiter la sérialisation à ce niveau-là, comment ça se passerait? C'est ma question. Alors, la première solution, elle est plutôt bête, mais c'est dans mon serializer de se dire, je sérialise les recettes comme ça. Non, je peux même pas le faire. Et après, je ferai, par exemple, un map et je mapperai sur tous les ingrédients et j'irai filtrer les trucs. Attendez, je vérifie juste si ça fonctionne bien. On est d'accord que là, ça vire le contenu. Non. Dans mon receipt contrôleur, du coup, on va lui dire ici, ça, une fois qu'on a le first or fail, on le wait et on va le passer dans le serializer et ensuite on serialise. Voilà, comme ça, on ne va plus avoir cette fois-ci le contenu. Ok, impeccable. Donc dans mon serializer, d'ailleurs, le updated date, il a foutu où là? Il a disparu. Updated at. Pourtant, je l'ai bien nommé. Bon, on va faire ça. Donc, la question, c'est comment on filtre les données sérialisées? Customizing value, serializing relationship. Ouais, mais t'es gentil de me dire que tu vas appeler serialize de manière récursive, mais ça m'aide pas du tout, quoi. Ça m'aide pas du tout parce que tu me dis pas comment je filtre en fait. Sauf si je suis con et j'ai pas lu un truc. Hein. Mais non, non. Serialize as. Alors ça, je suis vraiment pas fan du côté je sérialise. Enfin, je définis des options de sérialisation dans le modèle. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Tu veux dire que là, je me suis gouré dans le contrôleur, j'ai oublié de. Merci. Merci, merci. Il n'y a pas besoin de build à chaque fois, non, parce qu'en fait, j'ai lancé la commande avec un watch et du coup, ça watch et ça rebuild automatiquement. C'est pas ouf, c'est pas ouf. En fait, sinon, la solution, elle est toute trouvée, hein.
Si tu t'emmerdes pas, tu te dis, bon, cette idée-là, elle était bien dans l'idée, mais en vrai, elle ne marche pas. Je vais quand même regarder les informations là, dans le serialize. Qu'est-ce que je peux mettre dans le cherry pick? J'ai fields et relations. Ah, attendez, attendez, attendez. Ah, attendez, on a peut-être une idée là. Relations, je pense que je peux peut-être mettre ici que je veux du pour ingredients. Et là, il faut re-cherry pick derrière. Donc, c'est un objet de type cherry pick qui est simplement un objet avec fields et je mets les champs que je veux. Par exemple, name et unit. Je sauvegarde, je réactualise. Ça marche. T'abuses, je suis sur la doc, je vois ça. Sur la même page que toi. Ah merde, elle était juste là. Ouais, mais là au moins je prends, tu vois, j'apprends aux gens que le TypeScript c'est trop génial et que tu peux trouver les infos dans le TypeScript. sais, ça fait très le professeur. J'ai fait l'erreur pour voir si vous suiviez. Mais non, en fait, c'est vraiment ça que je kiffe avec le TypeScript, c'est que tu combles, t'es pas obligé d'aller dans la doc, quoi. Parce que la doc, bon, c'est sympa, mais c'est des pavés de texte. Et j'aime bien trouver les trucs par moi-même. En plus, j'ai l'impression d'être Indiana Jones, quoi. Bref, du coup là ça marche bien. Donc concrètement, si vous voulez, vous pouvez choisir comment vous sérialisez les données, qu'est-ce que vous exposez. Je vous conseille moi de faire ça parce que au moins. Par contre, si on fait ça, est-ce qu'il n'expose plus du tout les relations du coup? Ah, ça c'est merdique par contre. Faut bien faire gaffe à pas exposer toutes les relations. Elles sont exposées par défaut. Sauf si. Peut-être on les cache via une commande, quoi. Moi, concrètement, moi, tout le côté sérialisation mis dans le. Est-ce que je peux avoir la quantité? Dans le modèle, j'aime pas toutes les propriétés. J'aime bien l'idée de se dire j'ai un serializeur qui lui charge des trucs et basta, quoi. Ouais, tu peux cacher dans le modèle, effectivement. Non, mais c'était ça que j'aimais pas trop là. Ça et ça et. T'as déjà essayé MeteorJS à l'époque quand ça naissait, mais après j'ai pas réessayé depuis. MeteorJS, c'est le truc en temps réel et tout. Je crois, si je confonds pas. Ça m'avait semblé super à une époque, mais après j'ai l'impression que c'était sorti un peu trop tôt et pas forcément sur des technos super stables et les gens n'étaient pas prêts, quoi. Et c'est vraiment full stack pour le coup. Aujourd'hui, j'ai personnellement tendance à plutôt séparer un peu les choses, quoi. À me dire, je fais mon back-end de côté. En général, c'est pas la même équipe en plus. Et puis je fais le front de l'autre. Et puis on communique ensemble, on se met d'accord sur les protocoles. Meteor, c'est vraiment le tout all inclusive, quoi. Ben, finalement, là, il nous reste 8 minutes avant notre fin timing. Je sais pas si vous voulez voir d'autres trucs à ce niveau-là. Ce qu'on n'aura pas fait finalement, ben, comme hier avec Nest, on n'a pas eu le temps d'explorer la partie authentification. Si jamais vous êtes intéressé pour voir un exemple plus poussé, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Romain qui l'a écrit pour aider justement. C'est sur mon dépôt. Vous avez c'est les sources du tuto sur React en fait. C'est ces sources-là et vous avez une partie API qui est codée justement avec Adonis 5. Et globalement, lui, il est allé jusqu'au bout. On peut peut-être regarder le code à la limite. Voir d'ailleurs, est-ce qu'il a joué avec les providers lui? Non, vous voyez, il n'a rien mis dans les providers non plus. Et merde, non, fuck, j'ai double-cliqué. Et là, il a créé, lui, la partie authentification. Elle est là, apparemment, ça doit être des définitions que tu dois mettre, à mon avis. Et après, ben, hop, dans la partie app, contrôleur. Si on prend les receipts contrôleurs. Bah, tu mets une requête. D'ailleurs, je sais pas s'il y a une condition sur les. Je sais pas si les requêtes sont organisées par utilisateur. Je pense qu'il n'a pas fait ça. Ouais, il a fait comme moi. Ouais, c'est ça. Il utilise des repositories directs. Après, il utilise les validators. Ça, on l'a déjà vu. Ça. Compute ingredients. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Ok, je crois qu'il doit rajouter les ingrédients, les quantités au niveau du store. Ah ouais, c'est ça. Eh oui, eh oui. Ouais, il est bloqué, mais c'est. Ouais, il serait obligé de refaire une query sinon. Par contre, je me suis créé un petit middleware pas dégueu, en fait, si un peu. Ah, toi, tu as voulu reproduire Symfony pour que les éléments de la route, genre l'ID, soient automatiquement injectés dans le HTTP Context Contract. Ouais. Ouais, le mec, il s'installe, il refait la déco. Il refait la déco. Est-ce que tu mettrais pas, hein, aussi pour sérialiser des petits arrobas groups au niveau des modèles, tiens? Est-ce que tu te dirais pas, tiens, je me ferais un arrobas groups et tout ça? Puis les arrobases is granted. Au hasard, hein, je propose. Ouais, non, je vois le genre. Si tu peux utiliser Symfony, ça marche aussi bien du coup. Ah, mais ouais. C'est ça, en général, t'es un peu pourri gâté et t'as envie d'utiliser les trucs que t'as vu ailleurs. C'était ma conclusion. Bon, plus sérieusement, pour parler un petit peu de Adonis. Alors d'abord, on va le comparer à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors le groups, juste pour te parler de ça, tu as Class Transformer qui gère ça. On l'a découvert hier avec Nest. Et Class Transformer, ça a l'air de faire exactement ça. What the fuck? Est-ce qu'il y a un exemple où je confonds? En fait, il y avait un système de groupe comme ça là, et tu pouvais mettre les trucs. Et ça faisait exactement comme. On va le trouver, c'était arrobas groups. Bon, je sais plus. Mais ça fonctionne un peu comme Symfony. Et c'est utilisé dans Nest. Et donc ça permet de gérer ça. Et je crois qu'il y a un autre truc, il y avait une autre classe par-dessus. Alors, donc du coup, ma conclusion par rapport à Nest, ben, je dirais que c'est pas du tout la même philosophie. Ça, je pense qu'on le savait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au final, on se retrouve avec deux frameworks qui ont deux approches complètement différentes. Une qui est vraiment plus proche de Symfony slash Angular avec Nest, et une qui est plus proche de Laravel, voire c'est quasiment un clone de Laravel au final, mais adapté à l'écosystème Node.js. Au niveau de l'utilisation, ben, c'est pas du tout la même chose, quoi. Pour certains points, j'aime bien le côté. Attendez, est-ce que j'ai l'autre truc sous les yeux? Ah, je vais ouvrir les deux, comme ça on pourra comparer écran à écran. Ah, attendez. On va fermer ça. Je vais couper mon écran 2 secondes. Pas le micro. Ça va pas bien marcher. On va ouvrir. J'espère juste que je l'ai gardé. Parce que vu que j'ai formaté, je ne l'ai pas jeté à la poubelle, j'espère. Tout ce qu'on a fait hier. Dans la douleur en plus. Qu'est-ce que je suis en train d'ouvrir là? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc si je prends par exemple, on va prendre le contrôleur de recette. Le Recipe Contrôleur. Voilà à quoi il ressemblait dans le cadre de. Comment il s'appelle? De Nest. Et voilà à quoi il ressemble dans le cas de Adonis. Donc au final, la grosse différence, c'est qu'avec Adonis, tu vas écrire plutôt du JavaScript, on va dire, ou du TypeScript, en mettant, ben, si je veux valider les choses, ben, je fais cette validation qui renvoie une exception, tout ça, et après je fais le serializer. Là où côté Nest, on a plus un aspect décorateur en fait. Est-ce qu'on l'a à ce niveau-là? Pour être honnête, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je trouve que c'est très difficilement lisible le Nest. Alors c'est peut-être ma coloration syntaxique ou moi qui ai vraiment beaucoup de mal avec la tonne de décorateur. Mais je trouve que c'est un petit peu difficilement lisible à ce niveau-là. Et c'est pas forcément très pratique à lire. Je suis en train de chercher où est-ce que j'avais mis des validations.
Mais ouais, on avait mis les validations dans ça. C'était là où on avait des validations. En revanche, j'aime bien le côté DTO de Nest. Parce que, en fait, je me dis que les DTO, le gros avantage, c'est que quand je suis développeur front, je peux les réutiliser. Et j'ai pas regardé sur Adonis s'il y en avait des DTO possibles. En fait, j'ai du mal à imaginer quoi. Comment tu ferais ça? En fait, tu pourrais avoir un DTO, mais il serait que côté front en fait. Tu pourrais avoir un DTO en faisant un const data égale request.get. Et là, tu dirais que ça, c'est de type par exemple store receipt DTO. Ça serait tout à fait possible. Tu n'aurais pas la validation, mais ça serait possible. Bon, en même temps, je suis con, tu peux le mettre là, quoi. Ce que j'aime bien avec l'approche de Nest, c'est que tu mets les validations dedans, donc tu peux t'assurer que ce que tu reçois, c'est bien ça. Et ça, c'est quand même cool, quoi. Après, sur la partie entité, sur la partie ORM, j'ai trouvé que. Alors, de manière générale, le Query Builder et l'ORM est quand même plus simple côté Adonis. Mais par contre, les migrations, c'est chiant. Ça, c'est relou. J'aurais bien aimé un système d'automigration qui génère les migrations à partir des différences au niveau des. C'est galère, hein. Le mec, il fait son marché, mais ouais, j'aurais préféré ça. Mais par contre, par exemple, on l'a vu sur la relation de type many to many, c'était beaucoup plus simple que ce qu'on a dû faire sur Nest, où on a dû faire un recipe entity avec une relation de type one to many qui était basée sur ce truc intermédiaire qui lui avait ce champ quantity dont on avait besoin, hein, c'était pour ça qu'on l'avait fait, qui lui aussi était relié en double en many to one aux deux, quoi. Pour le coup, mis à part les annotations, quand même, on notera que au niveau des entités, c'est très similaire, hein, c'est quasiment la même chose. Un point pour Nest qui lui est capable quand même de gérer les migrations automatiquement et de synchroniser les choses, donc c'est pas mal. Bon, après, c'est pas Nest qui fait ça en soi, c'est type ORM, mais oui. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Après, on n'a pas vu l'authentification, donc je pourrais pas juger sur l'authentification. Mais après, voilà, c'est difficile de juger parce que Nest, finalement, tu vas te baser sur une librairie tiers, donc ce que je juge à travers Nest, c'est la librairie tiers. Là, quand je juge l'efficacité de cette entité, je ne suis pas en train de juger Nest, je suis en train de juger type ORM. Voilà. Voilà. Après, voilà, les points qui nous faudrait éclaircir, c'est l'injection de dépendance a l'air plus simple sur Nest. Bah, ça me fait penser un peu à Symfony, dans le sens où dans Symfony, injecter un service, c'est simple. En fait, déjà, bon, tu as quasiment automatiquement l'autoloading. Mais tu déclares ça dans un service YAML, la déclaration est assez facile. J'ai jamais trop été satisfait du service provider de Laravel. Je trouve que c'est verbeux, tu as du mal à savoir où sont déclarés les trucs. Après, ça vient peut-être aussi de l'autocomplétion dans l'IDE qui est pas ouf. Mais je trouve que sur Laravel, c'est dur de trouver qui est-ce qui a déclaré ce foutu service. Ben Romain, si tu es là, si tu as 2 secondes, tu peux peut-être répondre à notre question sur l'injection de dépendance qu'on essayait de faire. Si tu as 5 minutes devant toi, je te laisse me répondre. Comme ça, au moins, si Lior est encore là, il aura une conclusion à sa question. Ok. Alors, je te montre, parce qu'on a quand même pas mal avancé. Moi, ce que je me suis dit, c'est que c'était dans le app provider que je devais faire les choses. Et je me suis dit, je vais créer un singleton qui va s'appeler comme ça, et qui me permettra de récupérer le recipe repository. L'idée du recipe repository, c'est simplement une classe qui aurait une méthode all, qui permettrait on lui donnerait les champs et ça récupérerait les choses avec des champs. L'idée, c'était juste de créer cette classe-là pour tester. Voilà, un repo quoi. Ouais, exactement. Maintenant,
J'ai fait ça comme ça. Donc, j'ai maintenant mon provider qui définit ce singleton, qui initialise cette classe-là, qui a donc cette méthode-là, qui ne serait pas statique. Jusque-là, j'ai bon ou pas? Ensuite, dans mon contrôleur, donc c'était mon receipt contrôleur, l'idée c'était d'importer le receipt repository depuis l'IOC et en utilisant le nom que j'ai défini là. J'ai deviné que ça fonctionnait comme ça. Tu peux alors, ok. Ok, bah du coup, ta réponse risque de sûrement répondre, de résoudre la problématique. Et après, ça, tu l'importes comme ça, on est d'accord. Le souci, quand j'avais ça, c'est qu'on s'est retrouvé avec ce problème-là. Ce problème-là, je me suis dit, c'est que donc la provider doit être chargée en amont et du coup, on n'a pas accès à ça dans l'IOC. Ok, est-ce que tu veux. Ah ouais, attends, mais je pourrais pas faire Discord. En fait, le problème, c'est que je l'aurais bien mis sur Discord, mais en vrai, je sais pas si le micro, il pourra sortir à la fois sur Discord et sur Twitch, sur Linux. Je peux pas vocal de toute façon, devant la télé. Ok. Donc, voilà, la problématique, c'est que j'ai cette erreur. Et est-ce qu'elle est normale déjà, premièrement? Et ensuite, comment on la résout? Et comment on peut utiliser un truc dans le constructeur? Effectivement, ça m'intéresse. Parce que ça me semble plus propre d'injecter le receipt dans le constructeur si je pouvais le faire. J'espère que Alex était toujours là aussi, parce que je sais que lui, il voulait une réponse sur l'IOC. Mais j'y étais presque bien, quoi, si j'avais pas cette foutue erreur-là que je comprends pas. Alors, j'aurais peut-être dû regarder. Pendant qu'il est en train de regarder, on va essayer de voir comment on peut peut-être, dans les classes du framework, s'il n'y a pas à un moment donné, il y a une injection par contrôleur, dans le constructeur. Parce qu'autant, en fait, il y a ça, et on peut peut-être trouver tout seul la solution en attendant qu'il me la donne. Donc, mon idée, c'est dans SRC, là. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui aurait besoin. Il se verrait injecter en fait quelque chose qui provienne de l'IOC. Du coup, c'est vraiment comme Laravel. Il n'y a pas de problème de droit. Je sais pas parce qu'en soi, vraiment, les patterns, c'est pas forcément des trucs qui sont spécifiques à un framework. Parce que même Laravel a des choses qui proviennent de Symfony, tu vois. Et Symfony a des choses qui proviennent de Spring. Ou de Java ou de, je sais pas d'où ça vient. Donc c'est difficile parce que tu peux pas remonter à. Puis en plus de ça, Laravel, il va s'en foutre que quelqu'un ait entre guillemets copié ou pris des idées de Laravel si c'est pas sur. Déjà, ça n'utilise pas le nom Laravel, donc il n'y a pas de souci. Et c'est sur un autre langage que de toute façon lui ne traite pas, tu vois. Donc bon. Je suis pas. Ça serait intéressant si une question à se poser. Elle serait super intéressante. Mais en l'occurrence. Ah, désolé, j'ai pas vu que tu me parlais. Ok, apparemment. Alors, on va essayer ça. On a un arrobase inject que l'on peut faire et qui injecte les choses. Alors, l'idée, ça serait de mieux faire notre receipt repository. Dans notre receipt repository, on va retirer ça et on va faire un arrobase inject. Ben non, on ne peut pas le faire en fait, ça n'existe pas ça. Lui, il fait arrobase inject et il fait ça. Le problème, c'est que inject, ça provient de nulle part. Mais apparemment, ça existe quand même. Et ça proviendrait de quelque chose qui serait dans le corps d'Adonis. Voilà, là, ouais. Alors là, on va taper des trucs un peu chelous. AdonisJS slash core. Ouais, mais ça, j'ai pas accès non plus, en fait. Je suis bloqué.
Non, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans notre module. Vous savez quoi? On va faire un gros dégueulasse. Et on va chercher si on trouve un @inject. Et on en a pour 10 ans. Donc on ne le trouve pas. Je l'ai. C'est pas case sensitive. Hein, on est d'accord. Donc on ne le trouve pas. Donc à aucun moment il y a des injects qui sont faits. Mais par contre, ça nous met peut-être sur la piste. Nope. Peut-être sur les issues, il y a quelqu'un qui a parlé de @inject. Peut-être quelqu'un a demandé, hey, comment marche l'IOC? Non, bon, je vais pas persister dessus parce que ça marche pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? FZF, The Silver Surfer pourrait aider pour ce genre de. Ouais, clairement. Je ne sais pas si c'est intégré dans. En fait, je comprends pas pourquoi PHP Storm n'intègre pas. Enfin, oui. Ces outils-là, j'ai toujours été impressionné de la vitesse. Dependency. Non, mais je pense que ça y est juste pas en vrai. T'as pas importé le bon module. Ouais, toi tu me dis de faire ça là. Ça là, ça n'existe pas. Ou j'avais mal écrit. N'empêche, ça doit être hyper intéressant comme genre de projet. Ouais, mais c'est hyper chronophage parce que tu réalises que tu as beaucoup de choses à faire à apprendre quoi. Enfin, il y a beaucoup de trucs chiants qui prennent beaucoup de temps quand tu fais un framework. Donc là, la question c'est est-ce que dans le constructeur, je peux mettre une propriété privée qui va être recip, recip qui sera du coup de type recip. Ouais, putain, ça va pas poser des problèmes, c'est ça qui est bien quoi. Recip, et là du coup on ferait vis.recip.query. Ah ben non, ça n'existe pas du coup. Ouais, mais moi je veux pas injecter une instance ici, je veux injecter vraiment un récip quoi. Sauf si tu injectes à ta base. Et auquel cas là tu peux faire les trucs quoi. Mais moi c'est vraiment c'est pas une instance de recette que je veux quoi, c'est vraiment la classe recette. Non, non, c'est un i minuscule, hein, c'est bien un i minuscule. Tu peux importer comme tu l'as fait, comme tu le fais de ton modèle. Et injecte ton repository dans le contrôleur. Tu peux importer comme tu l'as fait. C'est-à-dire comme ça? Comme ça, je n'injecte pas ici, je fais mon recip, comme ça. Non, non, là on triche, mais on a le droit là. On a fini. Je fais ça, ok. Et là dans mon contrôleur, j'injecte. Ouais, mais ça solutionne pas cette erreur-là en fait. Cette erreur-là, elle est déjà à la compilation. Donc, juste je la mets là. Hop. Non, en fait, Alex, il vient nous aider pour ce fameux IOC. Donc, on va peut-être avoir la clé du mystère en chocolat, quoi. On va avoir la clé de ce système-là. Et là, j'injecte donc mon recip repository. Alors, du coup, ça serait ça là. Ça, tu l'as car tu as déclaré un module externe provider qui utilise le framework. Oui, mais c'est ma question en fait. Du coup, dans ce repository, comment je fais pour accéder aux méthodes de recip en l'injectant? Parce que ça, l'injection, on avait vu que ça fonctionnait, il n'y avait pas de souci. Je vais juste en profiter, parce que si je faisais, je retire ça et que je retourne un simple tableau vide, ça marchait.
Injecte-le depuis le provider. T'injectes la classe carrément? Putain, ouais. Mais alors comment tu retrouves l'instance d'un objet dans ce truc-là là? C'est avec le built-in? Alors, Wif, ça marche comment? Wif, tu dois lui passer. Oh là là, quel enfer. Ouais, je vais repartir sur le corps. Ok, alors, bah on va repartir sur le Wave alors. Bon, lui, on est sur une piste. Donc là, j'ai cette erreur-là. Alors, on va peut-être revenir sur. Attendez, je vais quand même défaire les trucs. On a vu comment injecter dans le constructeur. Pas des internes. Ouais, mais là, je veux faire un truc interne, alors du coup, on n'a pas le choix, hein. Donc on fait un vis app container, on fait notre singleton et on l'aurait, on défait. Voilà, ça, je fais ça. Ok. Maintenant, je l'appelle singleton et dans mon truc, je ne dépends pas du recip parce que c'est ça le cœur du problème, c'est ce fameux recip. Et là, je return un tableau vide. Ok. Donc là, plus de problème, tout compile. Dans mon recip contrôleur, je précise que j'injecte ça et je vais faire un public. Underscore, ah non, punaise, on n'est pas en PHP constructor. Et je vais créer une propriété privée qui s'appellera repository, qui sera de type recip repository. Ensuite, quand j'ai besoin de ce repository, je peux faire ça. Ok. Maintenant, je vais récupérer mes recettes. Donc, je fais localhost de point. Alors, on va peut-être sortir un nouvel onglet. 3333 et je fais slash recips. Et je vais lui dire aucune. Voilà. Cannot find module, il n'y a recip repository. IOC. Ok. Donc dans le provider, app repository. Ah putain, on a reculé là. IOC, app. Alors peut-être ça qui plante. Alors, attendez, on va bien relire l'erreur. Cannot find module IOC require stack contrôleur recip contrôleur. App, alors on va commenter ça et on va le remettre au niveau de notre. Comme ça et comme ça. Voilà. Est-ce que là, ça recompile? Non. Donc là, on a vraiment pété les trucs pour le coup. Donc dans le app provider, c'est peut-être que je l'ai mis là alors que c'est dans le register. Autant pour moi. Je réactualise, ça marche toujours pas. App repository, merde, j'ai cassé les trucs, ça fait chier. Ça marchait tout à l'heure. Je remets dans le boot. Merde, 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 merde. Ça, c'est une méthode statique déjà. Non, c'est pas une méthode. Non, c'est pas une méthode statique. Je vais redémarrer. Je vais couper et relancer le serveur. Ah, fait chier, j'ai tout pété. Tout à l'heure, on a fait ça et ça marchait, on est d'accord, hein. Je vais reculer à mort jusqu'à trouver le moment où je tape IOC en haut là. Et à aucun moment. C'est pas. Ah merde. Ok, autant pour moi. Désolé. @IOC, on est reparti. Donc je réactualise. J'ai bien un tableau vide. Et là, on réessaie le système d'injection. On fait ça. Et ensuite, ici, on fait un vis. Repository. Je préfère cette injection là parce que moi, si je veux me moquer de trucs, je peux injecter un faux repository et ça fonctionne. Ok. La question c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je réactualise. Non.
je peux faire ça. Ok, je réactualise. Ça fonctionne toujours. Ok. Alors là, là, ça me séduit là. Maintenant, on a le souci. Ah, par contre, tu dois décorer en plus d'indiquer dans le constructeur. Ben, si je fais ça, j'imagine qu'il ne va pas trouver tout seul. Il n'a pas le choix, quoi. Ça ressemble... Ouais, non, là, ça, c'est cool. Maintenant, la question, c'est... J'ai besoin, moi... Essayer de l'injecter sans argument. Hein? Non, 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 il peut pas trouver le typage tout seul. Maintenant, le problème, c'est... Juste arrobas inject. What? Tu fais ça, il trouve tout seul les trucs, là? Comment il sait que ça, c'est une instance de ça? Nope. Non, il a pas l'air, hein. Dommage, bien tenté. Mais ça, j'aime bien. Enfin, je préfère avoir ça qu'un truc automatique, finalement. Parce que moi, j'aime bien voir le service qui est lié. Après, si, parce que tu vois, là, tu peux avoir une interface et au moins, tu peux changer l'implémentation de l'interface à la volée. C'est ce que j'aime pas trop avec Symfony, c'est que tu dis, c'est tel service qui change l'interface et c'est chiant. Normalement, ça fonctionne. OK. Bon, bah, dans tous les cas, dans ce... bon, maintenant, le problème, c'est moi, j'ai besoin de ce foutu modèle Recipe, quoi. Et comment dans ça, là, je peux injecter? Alors, la première idée, c'était de se dire, on va faire un vis. Est-ce que je peux pas l'injecter? Ouais, en fait, je veux injecter la méthode statique. Ah, c'est emmerdant, ça. Si on fait un vis.app.container. Ouais, mais with. Et on lui dit, tiens, utilise le namespace app slash. C'est quoi l'entity? Je pense pas que ça marche en vrai, ça. Ça n'a pas de namespace, ça. Voilà, je t'avouerai que je fais n'importe quoi. On va aller juste regarder le app provider qui est proposé par défaut, là. Je crois qu'on en avait vu quelques-uns. En fait, peut-être, il y a ce qui manque, tu vois, si tu es toujours là, Romain. Ce serait un debug de point IOC pour débugger la liste des... comment ça s'appelle? La liste... Ouais, mais tu vas require quelque chose qui a un IOC dedans. Ouais, je vais regarder s'il y a des... Ouais, un truc comme ça, quoi. Node Ace IOC debug. J'ai envie de le tester. Ça marche? J'aurais l'air d'un con si ça marche. Le faux espoir, quoi. Non, mais j'ai cru, je me suis dit, on sait jamais, quoi. Sur un malentendu, ça peut passer, quoi. À toi, tu me dis carrément, tu fais ça. Moi, franchement, je pense que ça marchera pas parce que ça nous ramènera au problème initial. Si je fais un const recipe égale. Require de donc ça va être dans app src modèle. On est où là? Hop, src app modèle slash recipe. Ça exporte plusieurs trucs ou ça exporte default? Ok, donc là j'ai ma recette et je peux la passer à mon repository. Déjà j'aime pas l'idée que ça, tu passes un truc statique, c'est foireux, quoi. En même temps, c'est foireux sur la Laravel aussi, donc on n'est plus à ça près, quoi. Dans le constructeur, je vais lui passer la recette qui sera de type recipe. Et c'est debug Adonis nos aid. Je continue de ce que je fais ou pas là? Là, ça sera recipe, on va l'appeler. Ça sera privé. Et après, on pourrait faire un return vis.recipe.query. Ouais, mais comment tu lui dis que ça, c'est la classe en fait? Comment tu lui dis ça là? Il n'y a pas recipe.proto? Non. Ah, type off. Hein?
syntaxe, elle a aucun sens, quoi. Ah, c'est chelou. Non, on est d'accord, c'est pas du tout la bonne manière. Je pense que je suis pas du tout. Je suis pas du tout au bon endroit. Pense pas que ça soit ouf comme solution. Cannot read receipt repository of undefined. Il a cette erreur où? Ah oui. Mon singleton ne retournait plus du coup la recette. vis.recipe.query is not a function. Si je fais un console.log ici de recipe au niveau de mon terminal et que je réactualise la page, ça me donne ça. Ok, toi tu me dis essaie debug Adonis de point env debug Adonis. Tu dois faire un require.defaut. Ah, mais quel enfer quoi! Ils peuvent pas faire du JS normalement, les gens qui font du JS là? Non, c'est bon. C'est bon, du coup, si tu as raison. Non, tiens, on va faire un truc plus dégueu là, tu sais, pour bien mettre l'accent sur le fait que ça soit dégueu. Voilà. Sinon, tu peux faire await the import. Quoi, il faut await les imports en ES6 si on est. Non. Je réactualise. Ouais, ok. J'ai éteint le serveur. C'est pas le serveur qui a planté. Ok, là, on a notre pizza au kiwi. On peut faire ça, du coup. Est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses? Pas sûr. Mais c'est bon. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu ne puisses pas importer. Si je pouvais faire ça, ça serait bon. Moi, c'est ça qui me manque. Je pense que là, injecter une classe en construction, c'est pas terrible. En fait, le problème, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que j'ai essayé d'importer ça et de l'utiliser directement comme ça. Et ça ne marchait pas parce que dans Recip, on utilise ça. Et il n'arrivait pas à le charger convenablement. Tu vois, si je commande ça, hop, on revient sur cette solution-là qui était nettement la meilleure. Je tombe sur cette erreur-là. Et en fait, il n'arrivait pas à résoudre cette partie-là depuis l'IOC. C'est comme si le container, ma théorie, c'est que quand je suis dans ce provider-là, le container n'a pas connaissance de ça déjà. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé un moyen de définir un ordre. Et je suis bloqué à cause de ça. Parce qu'en vrai, si c'est un problème lié au framework, bah c'est bon. Le problème, il est très, 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 très. La question, elle est vite répondue, quoi. Timeout, l'horreur. L'ordre, c'est dans le point Adonis. Attends, tu veux dire qu'il y avait fichier point Adonis, mais les fichiers, ils sont cachés, les points Adonis. Ils sont où les providers? Ah putain, mais t'es sérieux, quoi. Attends, en plus tu les lis de haut en bas, on est d'accord, hein, tu ne me fais pas un truc à l'envers, quoi. Ah, il nous donne pas les secrets aussi, t'as vu comme il nous cache les trucs, il nous dit pas, il me laisse galérer, il me donne une technique qui n'a pas de sens, et après il me dit, ah au fait, tu sais que tu aurais pu faire ça? Putain, ah non, ça va, ça marche pas. Non, 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 ok, ça marche pas, rassuré. Attendez, attendez, en même temps, j'ai écrit n'importe quoi là, du coup. On repart sur notre idée de base là. Hop, constructeur tranquille, tout ça, tout ça. Ça ne change pas le souci initial. Les providers, c'est fait pour les packages qui ne dépendent pas du framework. Ça ne change pas que moi, je veux faire ça. Comment tu fais sinon? C'est... Non, non, moi, je veux faire les trucs de la mauvaise façon et je veux les faire. Attendez, je pense que je peux l'avoir. Je l'aurai un jour.
Non, 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 moi je veux mon repository pattern et je l'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Comment je pourrais l'avoir? Je réfléchis, hein, je réfléchis à une solution. À quoi il ressemble ce Lucid Provider? Tu crées un fichier repository, tu importes ton modèle dedans et tu importes ton repository dans ton constructeur. Alors, je ne sais pas si je suis énervé parce que tu as raison ou pas, quoi. Ouais, mais non, le problème va être le même. Alors, son idée est pas conne, c'est de se dire. Ah, mais comment tu injectes le repository du coup? Ouais, je me suis perdu. Bon, bref, tout ça pour dire que la doc, elle est pourrie et elle devrait décrire comment faire des repositories. Voilà, le point doc a été atteint. Attends, comment tu fais? Attends. Là, on a un repository, on est d'accord. Tu prends un article, ok, tu ferais comme j'étais parti pour faire. Comment tu injectes ce repository dans ton contrôleur? Dans l'article contrôleur. Article contrôleur. Ouais, tu utilises le repository en modulo, quoi. Mais ça solutionne pas le problème. C'est que si je veux tester ta méthode, tu peux pas parce que ton repository est injecté en modulo, quoi. Ta formation Node.js est cool pour commencer à apprendre, mais elle est très light. Elle est vraiment très light, la formation. Donc tu vas avoir trois chapitres et ça sera fini, quoi. Bah non, les imports ESM, c'est des injections. Tu peux moquer des imports. Ah ouais, mais attends, c'est horrible ça. Ah non, ah moi je veux pas faire ça. C'est comme ça qu'on teste en JS? Je sais que moi je l'ai déjà fait dans le geste, mais c'était pas ouf quoi. Sinon tu passes via le inject. Dans le geste, tu peux moquer les imports. Je l'ai fait geste mock import. Je pense que par contre, je sais pas si quand on aura la réponse. Ah bah tiens, il l'a. Il y a tout un truc pour le faire, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça que je me dis c'est pas la bonne solution. Non mais en été, attendez, je m'éloigne, c'est ça là. Non, c'est pas ça. Peut-être si on recherche une porte. Bon, bref, non, c'est pas la bonne manière de faire les choses. Donc tout notre problème, au final, si on résume, c'est que le provider de Lucid n'est pas chargé avant ça. Alors là, j'ai une idée complètement flinguée, pourrie flinguée. C'est de me dire, je vais extends du Lucid. App provider, de l'app provider de Lucid. L'idée, ah, fais-le dans le ready. Ah, ouais, attends, hop. Attends, je défais ça et je déplace ça dans le ready. T'as peut-être raison. Nope. Le truc, c'est enfer. En fait, je me dis. J'essaierai bien de brute forcer ça là. Alors là, attention. Ouais, mais c'est pareil, c'est trop chiant parce que le code source de ça là, c'est ce que j'aime pas trop avec Node. C'est que j'aimerais bien en fait mettre un console.log dans le Lucid Provider pour vérifier s'il est appelé avant mon app provider. Et ça va être super chiant de vérifier ça parce que forcément ça va être du code compilé à mon avis. Et ça sera pas ouf. Parce que forcément, cette partie-là a été écrite en TypeScript. Donc on va dans @adonis, ensuite on va dans Lucid, on va dans Build, et on va dans Providers, et on a le Database Provider.
Et là, je fais un console.log. Ah ça, Romain, s'il voit ça, il va péter un câble. Registre database. Et ensuite, je fais la même chose dans mon app provider, ici. Et on va l'appeler boot. Et ça, on va aller le déplacer là. Je coupe, je relance. Pas de console.log. J'essaie de réactualiser ma page. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche, quoi. Il n'y a plus rien qui marche. Mais j'ai pas eu de console.log, c'est bizarre. Comme s'il plantait dès la compilation. Alors au passage, tu m'envoies le code sur Discord. Alors j'attends, en même temps je continue d'explorer de ma manière. De ma mauvaise manière, j'insiste. Alors on va enlever les console.log qu'on a foutu à l'arrache là, c'est pas ouf. Voilà. Alors le registre database, il se fait à quel niveau? Il se fait au niveau du registre. C'est peut-être effectivement cette truc-là qui n'était pas au bon endroit. Je t'envoie le code. Alors, voilà ce qu'il me propose de faire. C'est dans le receipt. Alors déjà, on commande ça. Alors, on commande ça. Ensuite, on revient dans le point Adonis et on remet les trucs dans le bon ordre. OK. Ensuite, on va modifier notre repository. Notre receipt repository. Et dans notre app provider, on commande ça. Donc dans ce receipt repository, on a une méthode all, OK, qui est classique et qui va en mode YOLO faire ça. OK. Maintenant, on arrive dans le contrôleur, le fameux contrôleur que l'on veut moquer. Donc il est où le voilà, il est ici. Et là, toi, tu fais un @inject et tu mets ça. OK. Ensuite, au lieu d'importer le receipt repository, alors comment tu importes type? Là, il t'importe le type comme ça. Ensuite, dans la private, tu injectes ça. OK. Donc à première vue, la seule chose qui a changé, sauf que là je pense que ça va pas marcher, c'est que tu as fait ça. Je sauvegarde, je mets ça de côté, je réactualise, je vais couper le serveur et le relancer. Donc j'ai pas d'erreur, mais j'ai ce problème là. J'ai vis.repository.all is not a function. Mais je pense savoir, c'est que dans la partie receipt repository, toi tu t'attends à ce que j'exporte par défaut ça. Et du coup, je déteste les exports default en fait, c'est pour ça que je ne les mets jamais. Je fais ça. Je regarde ma page, je réactualise et là ça refonctionne. Ça fait quand même pas mal de prérequis, quoi. Mais, clairement, c'est la bonne solution à mon sens. Elle est plus simple au passage. Elle n'est pas documentée. On est d'accord? Maintenant, est-ce qu'on est en mode foufou et on se dit que ça comme ça et il devine tout seul? Non, c'est trop enflammé là. On a voulu lui voler trop près du soleil. Rien n'est documenté sur l'IOC. Non, mais c'est pour troller Alex. Regarde voir ton serveur.ts. NPM install reflect. On n'utilise pas NPM ici, monsieur. Ici, on utilise des vrais gestionnaires de paquets. On fait yarn, add. Parce que, comme vu que j'aime Nest, parce qu'il y a un chat, bah yarn, c'est une pelote de laine. Et du coup, j'aime bien utiliser yarn. Metadata. Parce que les chats, ils aiment bien les pelotes de laine. Ah, mais vraiment, ça veut dire quoi? Import type
Recipe Repository. Alors, je vais te donner mon explication, sachant que c'est la première fois que je le vois. Je pense que ça permet d'importer le typage et ça veut dire que ça ne sera pas foutu dans l'export final. Est-ce que j'ai raison ou pas? Comment il a mis? Mais il y était déjà cet import là. Il est là. Ah, j'avais raison, tu vois, l'intuition. Ça, tu vois, c'est l'effet prof. C'est de dire un truc. C'est pour ça que les gens disent, ouais, les profs, ils y connaissent rien, ils racontent de la merde. Parce qu'en fait, plutôt que de dire, je sais pas, tu fais une explication qui, ouais, je pense que c'est ça. Et ok. Non, mais ça marche pas, c'est tout. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas ouf. On peut pas auto-inject, quoi. Voilà. Voilà. Mais je t'avoue que l'ajout de l'injection commence à me plaire. Ça me plaît. Ça me plaît moins. Mais c'est mieux. C'est mieux parce que tout à l'heure, au moins, on avait aucune autocomplétion de rien. Oui. Non, c'est juste que je me demande si je déplace en fait l'élément. On peut faire un test. On va créer un nouveau dossier. On l'appelle Trollolol. Je déplace le repository dans Trollolol. Et si je reviens dans mon recipe contrôleur, tu vois, il a bougé ça, mais il va pas bouger ça. Et ça, je suis sûr que ça va me péter à la gueule, mais instantanément, je me connais, quoi. Voilà. Et tu es obligé après de détecter les trucs. C'est juste ça qui me fait peur avec cette approche-là. Voilà. Pour la sérialisation, on peut passer par des classes transformer, un type avait un package pour la. Moi, j'ai fait ça, hein. Je me suis pas emmerdé, j'ai fait ça. Parce que pour moi, un serializer, s'il ne fait pas appel à des choses de l'extérieur, ce que les trois quarts des serializers ne font pas, autant les faire comme des simples classes statiques. T'as pas besoin de les moquer, ça n'a pas de sens. Tu les moques quand tu as besoin de choses depuis l'extérieur, quoi. Ah non, cette chaîne de caractères, elle est importante pour moi. C'est le nom du module. C'est le nom du module que tu as là-haut, quoi. En fait, il utilise, je pense, les chemins pour pouvoir comme nom de module. Donc elle a une, ouais, elle a un intérêt, cette chaîne. Il faut qu'elle corresponde au namespace de ton. Ouais, c'est comme les namespaces en PHP, mais sauf que ça marche pas bien, quoi. Oui, ça serait un alias si tu l'avais mis dans le provider. Ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'encore une fois, les providers ont été une meilleure solution. Parce qu'en vrai, ouais, si avec un provider, tu pourrais te faire un truc qui les génère tout seul et après te dire, tiens, là, j'aimerais bien avoir un repository. Point, par exemple, ça serait quoi? Ça serait recipe. Et hop, tu l'aurais tout seul, quoi. Et comme ça, tu es indépendant des chemins. On a le même esprit avec l'UR là. T'as pas montré le REPL. Non, mais là, de toute façon, moi, c'est fini. Hein. On a dépassé déjà de 40 minutes. Par contre, est-ce que là, du coup, tu peux injecter quelque chose qui serait complètement différent? Tiens, on va tester ça. On va aller dans le repository. Je vais aller créer une classe. Un fichier plutôt. Merde. Fuck. Et un nouveau fichier. Qu'est-ce qui. Ah oui, non, c'est que j'ai pas mon raccourci. Un nouveau fichier qu'on va appeler all repository interface. Ah merde, j'ai oublié de mettre un .ts. Ah ouais, non, mais je te jure, là, il va passer des semaines à streamer pour dire que j'ai dit de la merde. Interface, là, on va l'appeler comme ça. Ça, on va l'exporter. Et on va lui dire, je m'attends à avoir une méthode all. All qui va être une fonction qui fait. On s'en fout en fait. Vas-y, any. YOLO. Et là, je me dis, plutôt que d'injecter ça, j'injecte une interface. Comme ça, je peux implémenter dans mes tests n'importe quoi. Et je vais utiliser la all repository interface. Ce type-là, il ne sert à rien. Je réactualise. Et ça marche. Ok, ça c'est bon.
T'as pas implémenté l'interface et ça marche quand même. Oui, après, en même temps, mon interface, elle pourrait ressembler à rien, que ça fonctionnerait quand même. Mais en fait, ouais, mais il y a aucun check qui est fait, quoi, en vrai. Il peut pas. Je sais pas s'il y a un check, une vérification qui est faite. Non, mais on pourrait s'imaginer que Adonis est capable de savoir que quand je fais un inject, ça, ce qui va être envoyé ici, ça sera quelque chose de type. Je vais y arriver. Ça sera de type recipe repository. Et que du coup, ça correspondrait. Mais c'est vrai que ce serait plutôt runtime pour le coup. Après, t'es pas obligé d'implémenter une interface. En TypeScript, c'est l'avantage. Moi, ce que j'y vois comme avantage, c'est que dans mon test, je ne suis pas obligé d'instancier un new. En même temps, t'es pas obligé parce qu'en vrai, les typages ne sont pas vérifiés. Mais ouais, t'es pas obligé d'injecter un new receipt repository. Tu peux lui injecter un faux truc qui renverrait rien et c'est bon quoi. Comment pour injecter deux services avec le décorateur inject? Allez, on va créer un nouveau service qu'on va se mettre dans le repository. On va. Ah putain, j'ai pas mon raccourci. On va l'appeler le lure service. Hop, lure service. On va le foutre dans le repository, on s'en fout. Allez, vite, non, on va en profiter pour créer un nouveau dossier. Allez, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler service et on va l'appeler le lure service. .ts. Donc on va exporter par défaut une classe qui va s'appeler le lure service et il fera une fonction qui va s'appeler hello et il retournera salut les gens. Voilà, donc là on a notre service. Maintenant on veut l'injecter. En vrai il fait pas appel à notre service donc il sert à rien. Mais en vrai tu aurais juste à lui dire ici je veux utiliser le app slash service slash your service. Je sais même pas s'il y a besoin de l'importer en vrai. Là, je lui déclarais une nouvelle propriété privée. Donc on va l'appeler service. Bon, on va pas préciser type, on va être vraiment pourri de chez pourri. Ou carrément, on peut lui dire tiens, c'est un truc qui implémente une méthode hello, qui est une fonction qui retourne une chaîne de caractères. Ce service-là, on l'utilise ici et on return vis.service et on appelle la méthode hello. Il est où mon service là? Ok, il est là. Ouais, ça devrait être bon. Je réactualise ma page. Et là, j'ai bien salué les gens. Déclare le service. Ah ouais, non, mais à mon avis, l'ordre est important. C'est l'ordre du tableau qui détermine l'ordre des trucs. Là, ça va foirer, je pense. Il faut que dans le inject, tu aies le même ordre que dans les. Ok, c'est ce que tu voulais savoir. Ok, ben voilà, tu as la confirmation du coup. Mais après, en vrai, si ce que dit Romain, l'injection par type fonctionne, on pourrait avoir un inject qui n'a besoin de rien parce qu'il va se baser sur le type. Le problème de cette approche-là, c'est que techniquement, dans un vrai projet, si on prend le cas de Symfony, tu as souvent un type qui ne correspond pas au nom du service. Parce que tu le fais via le service.yaml. Souvent, tu as des interfaces que tu injectes et après, c'est ton système qui va venir injecter les bons services, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me choque pas d'avoir ces noms-là. C'est juste qu'effectivement, les alias seraient intéressants et ça, bon, apparemment, on peut le faire. Donc, ça peut être cool, quoi. Oui, après, la réflexion serait capable de gérer ça. Il faudrait quelque part où tu pourrais lui dire, quand j'utilise cette interface-là, en vrai, il faut que tu injectes ce service-là, quoi. Mais je pense que là, on est beaucoup plus avancé que ce qui est dans les fonctionnalités du framework actuellement. Voilà pour mon truc. Alors, qu'est-ce que je pense de Nest versus truc? Je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais globalement, j'aime bien le code d'Adonis en lisibilité. J'ai plus de mal à lire le code de Nest. Et par contre, sur certains aspects, je préfère Nest, notamment pour la partie couche ORM. J'aime bien le côté synchronisation automatique et l'absence de migration, on va dire.
Mais c'est vrai que j'ai toujours été quand même un petit peu plus attaché à l'approche Laravel. Même si je fais beaucoup, beaucoup de symphonies, je trouve que symphonie est très verbeux et parfois le code devient difficilement lisible. Donc pour des petits projets, j'aurais tendance à effectivement bien aimer Adonis. Par contre, sur des plus gros projets où je me dis j'aimerais faire une structure vraiment spécifique, tu vois, j'ai pas envie d'avoir une structure MVC de base. Bon, encore que sur Laravel, c'est hyper compliqué. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus faisable parce qu'on a ce système de service et tout. Mais j'ai tendance à bien aimer l'approche modulaire de Nest qui permet de morceler les choses. Voilà. Donc concrètement, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Merci pour la neutralité la plus chiante du monde. Je vous laisse finir votre petite question. Et après, moi, pendant ce temps, je vais chercher qui c'est que je peux raid à ce niveau-là. Je préfère forcément, j'ai fait 4 heures de Laravel. Ouais. Ben moi, j'en reviens de Laravel. Il y a certains trucs qui me font péter des câbles sur Symfony. Du coup, tu feras une vidéo sur l'IOC. Sur Adonis, tu veux dire? Pour combler les lacunes, le bâtard. Pour combler les lacunes de la doc. Lol. Est-ce que tu comptes tester Octane? J'ai cru que tu parlais de Octane sur Apex. Ouais, je compte, mais je suis pas très bon. En vrai, il y a beaucoup à tester ou c'est juste un truc que tu le lances et tu dis, ah, ça fait des millions de requêtes, c'est génial. Laravel, là. Après, pour l'environnement de dev, en vrai, ça peut être cool, quoi. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Bon, il y a Symfony Server là, mais. Ouais, je m'y intéresserai. Je pas. Le truc chiant avec Laravel, c'est IntelliSense. Ouais, on est d'accord, c'est trop aux fraises. PHP Storm avec Symfony, c'est le feu, quoi. Ça marche tellement bien. T'as tout qui s'autocomplète trop bien. T'as tes fonctions dans Twig et tout, tu te régales. C'est vrai que tu galères. Bah, il va falloir que tu fasses la même chose pour l'autocomplétion d'Adonis sur on va y arriver. Je bug dans ma tête sur PHP sur WebStorm. Alors, qui c'est qu'on peut raid? Qui c'est qu'on peut raid? Twitch.tv. On va couper le son peut-être. Enfin, hop là. Pourquoi les gens ils ont des couleurs autour d'eux maintenant? Alors, je regarde. Pourquoi je suis en double? Je crois que j'ai pas le filtre français, en fait, je vois pas que les Français. Hop. Il y a beaucoup de game dev encore, mais pas beaucoup de. Ah, il y a du Symfony. Après, il y en a, je sais pas trop, mais il y en a, ils stream juste leur écran et ils parlent pas, c'est trop trop bizarre. Mais ça, du coup, ils étaient. Alors, on a un live coding sur un bot Discord. Oups. Le pire mec qui s'est pas réglé. Truc qui part à fond les ballons. Désolé. Allez, j'ai envie de raid du Symfony. J'ai envie de raid du Symfony.
Plus elle a l'air de galérer un petit peu. Allez, si vous voulez, allez l'aider. Ah, attendez, hop, je coupe le son. Alors, on a lancé avant-hier. Alors, comment... Attendez, je vais y arriver. Désolé, j'ai encore eu un bug de cerveau. Je me tâte de plus en plus à faire une énorme formation angulaire. Cool ça. Il y aura des chapitres. Ça sera publié où? J'ai vu que tu étais à fond sur Angular, mais ben moi j'ai jamais dépassé le portail quoi. Ça sera sur ma plateforme. Ok. Non, non, en fait, pourquoi je pose cette question? Ça, c'est un truc plus général. C'est que sur Graphicart, j'aimerais bien mettre en place des pages pour les technos que moi, je sais que je ne vais jamais traiter parce qu'il y a des gens qui me demandent toujours est-ce que tu as des tutos sur Python, des trucs comme ça. Et après, j'exclus pas du tout. Enfin, les formations, elles peuvent être payantes, je m'en fous. Mais c'est du coup, faut que je. C'est pour ça que je te pose la question, en fait. C'est comment ça va être accessible? Et en fait, l'idée, c'est que juste, je veux pas que ce soit sur des plateformes genre Udemy. Mais si c'est sur ta propre plateforme, ça peut être clairement intéressant. L'idée, c'est pas de référencer ou de proposer les cours directement sur le site, mais c'est de dire, ah tiens, ben voilà, il y a tous ces auteurs-là qui parlent d'Angular et une liste, et hop, tu peux aller chez les gens. Sur ce, les gens, ben, je vous propose de vous rediriger vers un petit peu de Symfony. Et hop, et d'aider quelqu'un qui est en train de finir apparemment son projet. À toutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ciao.